Je t'allume dans mon quartier, je m'en bats les couilles, j'ai aucune limite. Tu voles dans ma gamelle et tu crois que tu vas tourner ton clip. Tu veux calmer la guerre de trois cadavres et là on est quitte. Guitariser mon frère, va pas falloir ouais que tu répliques. Va pas falloir ouais que tu répliques. Va pas falloir ouais que tu répliques. Oh, non, mais en quoi les gars, le vol plané. Putain, il est au Harve, il a mis 10 ans. Libère les staff là. Ouais les gars. Libère les staff. Ça a mis du temps à vous réveiller, bande de petits fils de pute. Quoi? Je voulais les frapper. Vous faites quoi là les gars? Qu'est-ce que vous avez fait à des Eh les gars, il y a un arrivant les gars. Tu l'as mordu la cheville. Il est où le troisième? Il est où? Il dort jusqu'à demain dans sa niche. Il dort bien. Ah, il dort jusqu'à demain. Ouais, il est fatigué. Là, il est derrière les gars. Écoute. Là, ils ont attrapé Cleaver, t'as vu? Quoi? Ils ont attrapé Cleaver et regarde Twitter, ils font des montages de fils de pute sur des views. La vie de ma mère, ils l'ont anéanti. Mais ils ont fait quoi? Mais quoi, comment Cleaver c'est qui ce diable les gars là? Cleaver était devant le coiffeur, ils l'ont pété, il m'a appelé, je sais pas. Bref, regarde Twitter. Oh, descend bien hein. Vous êtes prêts ou pas? Vas-y. Ok, moi c'est Young Pub. Capté ou pas? Bienvenue. Pas. Mais viens, regarde, c'est le qui a qui? Mon Sagado, t'as capté ou pas Sagado? Eh les gars, j'ai ramené mon pote, un poteau à moi. Putain. C'est qui ce fils de pute là? C'est qui ce fils de pute? C'était en gros quand on était à Chicago, c'est un mec de Chicago, lui de Chirac hein, directement. Ma mère, oh là, c'est quoi cette grosse chaîne là? On a fait les classes ensemble. C'est quoi ce talk là? On a niqué des profs ensemble, dis-leur. Non, faut pas trop dire hein, parce qu'après ils vont. Les débiles. Ouais, Young Puppy. Je crois que ça va le livrer hein, Mais Young Puppy carrément, j'ai l'écharpe des Bloods, des Ops, des ennemis. On en a deux là, ils ont dormi dans la cave. Je peux toucher, voir? C'est des petits staffs, viens. Fais gaffe, moi. C'est mes dogs. Ah ouais, Devil, il les a achetés ce cas, moi. C'est ta faute, lui, maintenant. Ah ouais? Les a achetés. Ouais, c'est un abusez pas, c'est bon, abusez pas. Tu me regardes beaucoup. Eh, Young Puppy, viens voir, regarde. Appelle 7, appelle 7 et vas-y, vois avec eux. Mais je vois pas Twitter, les gars, c'est comment? Eh, juste S6Lock. Oh là là, y'a d'un Big R. Big R, prends Young Puppy. Explique-lui un peu comment ça se passe en gros, t'as vu, donne-lui une petite arme de poing et tout. Explique-lui tous les trucs. Vas-y. Ouais. On a bien soutenu, bâtard. Vite m'emmerder, là. Putain. Eh, mais attends, je vais tout casser sa grand-mère. C'est-à-dire que nous, on se pète les couilles à péter 3-3-306 pour qu'un fils de petit se fait péter comme ça. Exactement. J'appelle qui? En gros, ils l'ont. Appelle 7 ou 7, comme tu veux. Là, en gros, on en a deux, ils en ont deux. On en a un qui dort et ce qu'un demain. Vous puez la pisse, les gars. C'est hard, hein. Putain. J'appelle qui, cousin? Qui? Y'a 7? Y'a appel, ouais, il est là. Les deux sont là, 7, 7. Moi, j'ai 7. Allo, tu m'entends? T'es chez les barras? Allo? C'est moi, j'aurais préféré canner que ce qu'ils ont fait des views, ça. La vie de ma mère, mec. Allo? Allo? Ouais. Ouais, c'est comment là? Calme. On vous attend depuis tout à l'heure. Ils ont fait un bon montage. Vous nous attendez? Ah ouais? Ah ouais? Bon, je suis même pas au courant. Bah, vas-y, moi, c'est moi, je vous attends en fait. Donc, je savais pas. Bah, vas-y, mais tu sais quoi là? Je termine un bail. Dans 2 minutes, je t'envoie une adresse. On se fait les échanges. C'est bon. Vas-y, moi, j'attends. Ah, voilà, il arrive et après, on arrive. Vas-y, parfait. Vas-y, dans 5-10 minutes, c'est carré. Vas-y. C'est qui, moi? Je veux savoir, les gars. C'est l'autre fils de pute de Toothpick, c'est ça? Ouais. Putain. Grave mature, on n'est pas sur Twitter, d'ailleurs nous on est dans la rue pour de vrai, c'est pas Twitter nous. Ouais. Vas-y tranquille là, on va voir. Et les calibres, ils ont été répartis ou pas encore? Faut leur rendre leur calibre déjà, qu'on leur a pris hier. On va le garder, on va le garder. Tu le gardes? Ouais. Toi, tu. Les calibres pour nous, je parle. Non, on va les calibres. Vas-y, j'arrive. Ouais, allô? Allô? Ouais. Ça va, les devils? Hein? Ça va? Bah ouais, ça va, pourquoi ça va pas? Non, je sais pas, je te connais. Merci, mon frère. Connaissance. Ouais, bah ouais, ça va, Seven. Et toi? Tu vas bien? Ça va. Bah, j'ai un grip aujourd'hui. Bah. Bah les couilles. C'est comment là? Ouais. Bah là, on a les gars, hein. On a des vieux Cleaver, je crois, ouais, c'est ça. Putain, mais t'as Cleaver, je m'en bats les couilles de sa putain de vie. Comment vous l'avez pété cette merde?
T'as, je sais pas, gros, il est en train de se branler les couilles dehors. T'as capté, ça veut dire on l'a pris. Carrément, c'est Bintou de la prive, pour te dire. C'est qui ça? Bah, Bintou, un mec de chez nous, un craquette. Ouais, 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 je l'appelle pas fort. Bon, c'est ouais, comment, du c'est coup, comment, comment? Bah, je sais pas, toi. Prends, on va faire. T'as Smoke ou pas? Parce que c'est Zilo qui m'a dit que Smoke il dormait, je crois. Non, il dort. Il y en a deux là. Troisième, t'as il dort. J'en ai deux. T'as deux, j'en ai deux. Ouais, mais j'en ai trois. Le petit juste, il dort. Ouais, il dort. Mais bon, là, je pense qu'on va t'en donner un. Tu vas nous en donner un et on va garder. Je crois qu'on va garder un. T'as Smoke. Comment ça? De toute façon, Smoke, dès qu'il se réveille, tu le lâches, hein, c'est ça? Bah, ça dépend l'accord, tu vois. Se trouve on va le tuer, ça se trouve il va mourir dans... Là il dort, se trouve on va lui mettre un couteau dans son torse pendant qu'il dort. Ça dépend de ce qui se passera. C'est je l'aime bien, vraiment. Ouais mais là ça dépend de ce qui se passera, moi je peux pas, je sais pas ce qui va se passer. Mais... On va discuter sur ce qui s'est passé, ça va se dire comme tu veux, tu vois. Ouais mais non mais nous là vous nous devez de l'argent. À tout, vous nous devez de l'argent. Oh. Et en plus au lieu de... Au pire vous voulez pas nous rendre, vas-y. Mais non, vous voulez pas nous le rendre et vous venez nous tirer dessus tous les jours. Pas comme ça, les gars. Comment t'as tiré dessus? L'automatique. Ouais, je crois qu'on est. Ça remonte. Deux, trois fois. Non, ça remonte pas. Vous avez tiré dessus plusieurs fois. Là, hier, vous étiez au Bronx. Carrément, vous êtes venu. Vous avez voulu attraper des mecs. Je sais pas ce que vous avez fait. Attraper, on voulait attraper, mais on voulait pas. Tirer. Ouais, mais quand même. C'est-à-dire, là, on va passer à l'étape 3. Sans, t'as vu, on est au point où on s'arrête. Genre, on se gare sur le côté. Soit on passe la deuxième. Parce que nous, on voit quelqu'un qui n'est pas trop, tu vois. On était en mode, vas-y, vous nous devez de l'argent, mais vas-y, on s'en occupera plus tard. Mais non, vous, c'est sur nos côtes, vous nous tirez dessus, ça nique des mecs. Sizzlock, il dort dans une cave. Non, les gars, c'est pas comme ça. Non, mais ça Sizzlock, c'est par rapport à une histoire personnelle. J'avoue, ils ont déconné. M'en bats les couilles, Sizzlock, c'est un mec des J-Block, m'en bats les couilles. Ok, bref. La suite. Je te prends le camion, là, ok. Rappelle-toi, quand on a pété les camions... Arv, il a dit que c'est bon, on est quitte les 4000, c'est... Ah ouais, c'est vrai. On aggrave plus. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est vrai. Dire les 4000, c'est pour ça que je suis pas king, parce que des fois, je perds la tête. Parce que t'es... Nique ta mère, Seven, c'est bon. Arv, il vient de se réveiller. Donne-moi la pause, on vient se voir. Et regarde ce qu'on fait. T'as vu ton truc, celui qui dort? Viens, on l'échange. Ouais, Smoke. On l'échange, comment ça? Je te le libère tout de suite, mais tu me passes un gars. Parce qu'on en a trois. On verra. Dans tous les cas, écoute, regarde, dans tous les cas. Il est avec les trois. Vas-y, il dort, c'est bon. Si, voilà. Vas-y, compte-le dans les trois. J'attends bon, la pause, j'attends la pause. J'en ai deux dans la trois. Vas-y. T'en vas ou j'envoie? Hein? Bah, t'en vas ou j'envoie la pause? Vous êtes pas coordonné chez vous, quoi, les gars? C'est, il m'a dit, il va m'envoyer une pause. Il vient de me dire ça. Ok, c'est bon, on va t'envoyer. Vas-y. Ouais, Arv. Ouais. Bien. Mais change-toi, la même tenue qu'hier, mon frère. Ça sent pas bon. Eh, dinguerie, ce qui s'est passé. Arv. Avec ta mère. Quoi? Change ton bonnet. Ta mère, pourquoi tu me suces ma veste là? Je l'ai mise avant toi, King Arv. Okay. Bref, c'est comment les c'est deux, comment ils en ont deux. Ils ont attrapé Cleaver. Cleaver. Quoi, ça me choque pas. Mais pourquoi il s'est fait attraper? Et là, il y en a un des trois, il s'est barré. Il est. Non. Pourquoi il est nul? Je sais pas, la vie de ma mère, je sais pas. Arv, je sais pas. T'as eu le 7, non? Ouais, j'ai eu, vous nous envoyez une pause. On fait comment? Parce qu'on fait deux. Bah, ils en ont deux, on en a deux, cousin. Non, on en a trois, je rigole. Le troisième, il dort, en gros, là. Il est là, tu vois pas, derrière le canapé, il dort. Tiens, dans la bouche. On gère pour les deux et... T'es lancé, TV. Le troisième, on verra. Ouais, t'es lancé. William, merci mon frère pour tous les subs, les vous gars. Vous avez bien dormi, les gars? Les gars. Je vais pas fermer l'œil, hein. Nouveau sub goal. 4000 subs, je me rase avant. Sur le canapé juste avant ce qu'il... Ouais, ça prend au nez. Hein. Mais en plus, il a neigé, tu connais. Ouais, c'est bien froid. Ah ouais, la putain. Ouais. Vas-y, bon, on commence à les descendre maintenant. Dans les chops et tout. Vous en prenez avec vous? Vas-y.
Il y a un nouveau arrivant. Vas-y, mettez dans les champs, vous connaissez. Un latino, t'as vu, je vais tout baiser. C'est un latino. Bah, après, c'est un américain. C'est pas un mec d'un. Mais c'est un latino, c'est un pote à moi. Il était en cours avec moi à l'ancienne. T'as vu quand. Bah, à Chicago. Quand j'étais à l'école, là. Mais quand j'ai fait mes un an de supérieur. Je sais pas comment ça se dit. Ouais. Bah, c'était mon pote, c'était un pote à moi. C'est un mec, hein, il est là, il est impliqué, il est chaud bouillant. Ouais, son pétard, je le prends, il est grave endormi, je sais pas, je pense quelqu'un d'autre. Kaifi ? Ouais, donne là quelqu'un. Scamboy ! Scam, viens. C'est quoi ce bandana de fils de pute ? Enlève. Mais celui des Bloods ? Ta mère. En fait, quand je mets ça. Niners, on dirait Trent. C'est ça que je me disais, est-ce que quand je mets ça, ça veut dire que je revendique ou c'est... Parce que moi, je me dis que c'est une humiliation. En gros, je porte leur trophée. On dirait que tu les suces. Mais on dit... Ah ouais, tu dis... ouais. Mais quand tu me vois, tu dis l'île des villes avec ça. Tu te dis, ouais, en gros, non, je les ai dépouillés. Ouais. Je me dis, je vois un Niners en face de moi. It's time, hein. Oui. Ouais. Vous m'entendez? On t'entend, ouais. Là. Ah... C'est carré, ça fait. Ils sont méga. Ah, les frères, ils sont derrière là, juste derrière nous. Vas-y, viens. Derrière, t'as des views, c'est qui quoi? Cleaver. Cleaver. C'est carré, les miens, ils sont où? Ils sont là. Dans le troisième, il dort là, je crois. On l'a trop cogné hier. Ouais, le troisième, ouais, j'ai entendu parler de ça. On m'a dit, vous aviez trois gars. Du coup, c'est, écoute, t'as vu, je vais prendre les devants, tu vois. Là, ça fait quelques semaines, on se la met. T'as vu, il y a des shootings par-ci, par-là, des coups bas par-ci, par-là, t'as vu. Là, on arrive à une phase où il va falloir rentrer dans le concret, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Hein. Ça commence à partir loin, t'as vu. Et moi, je suis prêt, t'as vu, je suis prêt. Maintenant, de ton côté, est-ce que t'es prêt, cousin? Parce que là, on parle de... C'est ce que je disais à Devius. Je vais pas te mentir, je parlais de ça à des views. Et man, pas te mentir que nous aussi on est prêts. Maintenant, c'est à toi que je pose la question. Les 4 000 $, tu les as récupérés. Maintenant, là, comme je t'ai dit la première fois, là, la station essence, actuellement la balle elle est au centre. Toi, t'as des otages de chez moi, j'ai des otages de chez toi. Là, t'inverses le problème. La balle elle était au centre à partir du moment où j'y récupère ta cam. Ah man, mais je vais pas te mentir, les manques de respect comme ça, je vais pas te mentir, moi je vais pas rester les bras croisés à mon quartier. Bah c'était balle au centre, moi, en partant, t'as vu, en partant du parking, j'ai dit là, c'est balle au centre, c'est... T'as vu, moi je pensais que vous alliez y rester là. Tu m'as pas dit ça, que tu racontes. La vie de ma mère, je t'ai dit ça en partant. Maintenant bref, les gars souligné. Ils ont continué. Si, non il le sait, parce que Seven il me l'a dit. Ah, il me l'a dit au téléphone, oui, juste il y a 15 minutes. Bien, il m'a dit que ouais, la balle elle était au centre à partir du moment où on a récupéré la drogue. Tu te doutes bien. Moi je vais pas te mentir, moi mon argent des roses, je l'ai récupéré. Moi, mon argent, je l'ai récup dans l'histoire, j'ai rien perdu. Donc, c'est ça, moi, je m'en fous, t'as eu. Maintenant, le manque de respect, il a été payé via tes gars. Toi, t'as payé les manques de respect des miens avec ceux que t'as derrière. Maintenant, man, la balle, elle est au centre. À toi de voir si pour 4 000 $, t'as envie d'aller aussi loin. Mais c'est ce que tu comprends pas. C'est ce que tu comprends pas. C'est ce que je te dis. Les 4 000 $, ils étaient réglés la fois où on a fait notre coup sur le parking. À partir de là, pour moi, il y avait balle au centre. Maintenant, les deux jours d'après. Attends, maintenant les deux jours d'après que tes gars tournent dans le Bronx, appellent des gars à moi et leur dit on vous chasse, vous venez pas dans le Bronx. Avant ils ont fait dormir 6 là carrément. Ouais, bref, tous les jours qu'on suivit après, vous avez tenté des trucs concours, tu vois. Ah ouais, bien sûr, on s'en cache pas. Là t'as ravivé un truc, mon pote. T'as ravivé on s'en cache pas. C'est ça qui a fait qu'on en est là. Donc on s'en cache pas là, c'est ce qu'il t'a dit. On parle plus l'histoire des 4 000 $. Seven il a dû te le dire, nous par rapport à ça, le manque de respect, on vous l'a fait payer. Maintenant, là, ce que je veux dire, Arf, c'est que moi, j'ai deux otages. Toi, t'en as trois. Maintenant, c'est toi. Soit tu fais un geste de bonne foi. Tu me lâches les trois. Moi, je te lâche les deux. Et on en finit là. Soit tu décides que là, on se fasse un échange de 2-2 et que le troisième, eh ben, tu lui fasses du sale. Et c'est là que ça va raviver un truc. Et je veux pas inverser le problème. Effectivement, nous, tu nous as manqué de respect. On est venu se venger comme tu l'aurais certainement fait. Après, je sais pas, je suis pas dans ta tête. Maintenant, tout ce que j'ai à te dire... C'est que là, actuellement, t'as un petit avantage. Si tu veux vraiment partir en couille avec ce troisième gars qui vous avez peut-être même buté dans votre cave, eh ben, c'est là que ça partira en couille. Moi, si tu fais un geste de bonne foi, tu le lâches et tout, l'histoire, elle s'arrêtera là. Moi, mes 4 000 $, je les ai pas perdus. Toi, tu les as récupérés. Tout le monde est content et force. Tu vois ce que je veux dire?
À toi de d'y réfléchir avec tes gars. Tu tournes la situation à ton avantage. Je vais te dire un truc, c'est. Je vais me répéter encore une fois, t'as vu, mais à ta place, tu m'as dit, c'est que t'aurais fait à ma place, non, à ta place, après avoir fait un coup comme t'as fait, par rapport aux 4 000 $, où t'es venu chez nous, bref, ça c'est une histoire, je vais pas revenir dessus, et que juste après, t'as vu, on a réussi notre coup à te prendre de la cam, et qu'en partant, je te dis, c'était pour cette histoire des 4 000 $ là, à ta place, je me serais calmé, t'as vu, je me serais dit, ok, balle au centre, ils font leur vie, je fais la mienne, mais tes gars, pendant 3 jours d'affilée, ont tenté des trucs contre nous, t'as vu, on pris des mangas Sizzlock, on mis dans une cave, on tentait de venir dans le Bronx, armé, jusqu'aux dents, à chasser des gars. Moi, t'as vu, à partir de ce moment-là, là, on parle d'une autre histoire. T'as vu. Bien sûr, bien sûr, mais parce que pour nous. Mais pourquoi ils chassaient pour... C'est quoi le plan hier, là? Pourquoi vous avez fait ça? Les décisions, elles viennent de nous ou de moi, Seven. Les décisions, elles viennent de moi, Seven. Si on leur dit de chasser, ils chassent, tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi chasser par manque. Pour le manque de respect, l'île des villes. T'imagines bien ce qui s'est passé au niveau des mules. Moi, tu me piques pas 50 000 $ comme ça. Donc, la balle, en fait, du coup. Eh, c'est... t'es bourré ou quoi? Je suis pas bourré. Tu parles de la balle, elle est au centre, mais du coup, t'as tenté une attaque. À partir de là, non. Pour qu'elle soit. La balle, elle était au centre, si tu ne fais rien. Si t'as vu, dès qu'on t'a volé la drogue, tu dis, ok, les mecs d'Eschbok sont trop chauds, ils m'ont baisé, ils ont pris ma drogue, je fais rien. À partir du moment où vous avez envoyé des gars, hier, vous avez fait que de m'appeler, me dire, viens dans le Bronx, on va te baiser, viens. On est venu, vous nous avez chassés pendant 10 minutes, tout ça, vous avez pété des mecs à nous. Ah non, c'est une déclaration de guerre limite, ça veut dire que vous voulez... Justement, c'était une vengeance suite à ce qui s'est passé. C'était une surenchère. Ah bah moi je pense que Seven pourra le dire parce que c'est lui qui a géré ça. Moi hier j'étais pas sur le rinté, mais ce que je veux dire c'est que lui il l'a vu comme une vengeance. Enfin nous on l'a vu comme une vengeance, ouais. Comme on nous a manqué de respect, on fait ce qu'on a à faire. En fait t'as vu ton argument, maintenant, c'est comme quand quelqu'un, tu vois un keuf. Et qui est par exemple là, tu vois, l'exemple de l'autre là, qui fait que de suivre les gens, que d'enquêter, que de faire le trou de balle. Et quand tu l'attrapes et que tu lui dis maintenant tu m'as trop suivi, je vais te tuer, il te répond quoi? Non, mais je fais juste mon travail. Je m'en bats les couilles, ton travail il me dérange. Comme là, tu te venges. Bien ok, sûr. Tant mieux pour toi, pour ton honneur. Mais nous, le fait que tu te venges, on n'aime pas ça. T'as vu? Là, t'expliques un truc que normalement. Si on continue comme ça, c'est le chat qui se mord la queue. C'est le chat qui se mord la queue, on est bien d'accord. Parce que là, si je me venge, toi, tu vas te revenger, je vais me revenger, etc. On va se tuer pour de la merde. Donc là, l'histoire, elle est réglée. Ma vengeance, vous avez répondu. Nous, on s'est défoulé sur vos gars, vous êtes défoulé sur les nôtres. On s'est chacun vengé de notre côté. C'est pour ça que je te dis que la balle, elle est au centre. Je te dis pas ça parce que c'est à mon avantage. Bien au contraire, t'as des gars de chez moi, tu peux les canner. C'est pas du tout à mon avantage, au contraire. Non, mais ça, de toute façon, Harry va le dire, ça. Je te dis juste ça pour éviter que des mecs se tuent. Pour une dette qui est réglée et pour une histoire qui n'a plus lieu d'être. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement. Sauf que vous avez eu la bêtise, t'as vu, de pendant. En fait, trois il jours, parle parce qu'on a des otages, c'est pour ça qu'il parle comme ça. De faire une vendetta contre nous, tu vois. Et c'est comme, c'est ce après, c'est comme ça, tu vois. La décision, elle a été telle. Maintenant, on va pas parler du passé. Moi, je parle pas. Comme je te dis, c'est pas un de tes habitants ou un de tes soldats qui a pris la décision, c'est toi, t'as vu. C'est une décision que toi et ton second vous avez pris. Donc, maintenant, on en est là. Maintenant, c'est simple. T'as vu, pour commencer, je vais faire avancer tes deux gars. Ramène mes deux gars. On s'échange et après. Le troisième, il est déjà libre. Il est déjà libre là. Ouais, il... Troisième, il dort, je sais pas. Oh, ouais, on l'a acheté. Vas-y, allez-y, les gars de Devious et Cleavers. Allez-y, allez-y. Vas-y, avancez, avancez. Ah, là, c'est carré. Ouais. Ok. Du coup. C'est comment moi, écoute-moi, moi, je veux savoir. Ouais. Ils ont abusé ou quoi? Sois clair. Ah poteau, t'inquiète pas. Je me frotte les mains là. Je me frotte. Non, y'a R tranquille, ça m'a mis Michou, cousin. Comment ça? En fait, ils m'ont mis. Genre, c'est Michou, il me gardait un habitant. Et je sais pas, il prenait la confiance. Il croyait que j'étais un habitant aussi. Ah, c'est un habitant. Là, ce soir, je le canne. Je le canne. Mais il est mort, c'est fini. C'est un habitant qui t'a fait ça. Je veux le canner aussi. Ouais, moi aussi. C'est un habitant qui vous avait fait tout ça? Ouais, Michou, ce fils de pute. C'est fini. C'est lui là, cousin. Il est là ou pas? Est-ce qu'il est là? Attends, hé! Il est là, Michou, dans le tas? Non, il est pas ramené. Oh la dinguerie! Bien sûr, c'est pour ça que je te dis que là, exactement, c'est pour ça que je te dis là qu'on est aux portes d'un conflit, t'as vu? D'une guerre ouverte et d'une guerre concrète, t'as vu? Donc, en fait, moi j'ai un truc à te proposer, c'est simple, t'as vu? Là, toute la nuit, on a cogité ça avec mes gars, avec les têtes d'Eschbok. Parce que c'est un truc qu'on prend au sérieux, t'as vu? Et moi j'ai un truc à te proposer. Pour enterrer la hache de guerre et pour mettre la balle au centre, comme t'aimes bien le rappeler, moi je veux un petit set là à Northwood. Comment ça?
Je vois un putain de bâtiment. Chérie, toi. Ah, t'imagines bien que ça va pas être possible. C'est ça, si, tu si, vois, ça j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes, ça va pas être possible. Avec qui? Ça va pas être possible. Après, nous aussi, on peut réfléchir de notre côté pour voir. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, là, t'aimes bien me dire aussi que toi, là-bas, elle est déposée. Pourquoi ça va pas être possible? Explique-moi. Parce que moi, je t'explique déjà. Je t'explique. Parce que vous, déjà, je sais, et je le sais, j'en entends parler dans la rue, que vous avez de l'influence dans le Bronx. Moi, j'ai de l'influence à Northwood. Restons comme ça. Tu vas pas venir sur mon terrain prendre de l'influence là où j'habite. Moi, j'ai ce que je veux dire. Dans la dalle, là, et je bloque. Bien sûr, moi aussi, j'ai la dalle. T'inquiète pas, nous aussi, on veut venir dans le Bronx. T'imagines bien. Maintenant, je te le dis juste. Moi, ça va pas être possible. Après, on peut y réfléchir. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que tu me dis que la balle n'est pas au centre. Ouais, on ressort toujours cette phrase, mais... Man, t'as pris mes 4 000 $. Moi, je les ai derrière. Voilà, pourquoi tu t'es pas arrêté là? Pourquoi tu t'es pas arrêté là? Parce que tu t'attends à quoi? Tu t'attends à avoir des mecs en face de toi. Ils ont abusé de fou. Ah, mais R et R. Ils ont abusé. Ça fait de la promo pour le son, bah les couilles. Eh, on va leur... Eh, tu sais quoi? Regarde, on va... Eh, putain, mais on va le canner le Michou. Essaye d'appeler des gens, des habitants, le homard, dites-lui, le trac. Vas-y, on va le canner. Je le sais, une semaine après, cousin, oui, tu m'as baisé, certes. Ouais, parce que c'était censé être un truc qui restait entre nous. Maintenant, c'est pas resté entre nous, nique sa mère. Mais bref, moi, ce que j'ai à dire, c'est que là, de notre côté, on a chopé tes gars, on s'est vengé. De ton côté, t'as chopé nos gars, on s'est vengé. Mais concrètement, là, t'as quoi à proposer? C'est de venger. T'as quoi à proposer pour arrêter tout ça, concrètement? J'en sais rien, il faut que j'y réfléchisse. Moi, je suis... T'as rien du tout à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je n'ai rien du tout. T'as pas pensé à ça? Ça veut dire qu'en venant ici, t'es dans l'idée à te dire, ok, pendant 3 jours, j'ai essayé, t'as vu, je dis bien essayé, de les faire, de semer la terreur dans le Bronx, ce que tu n'as pas réussi, t'as vu, parce qu'on est tombé sur des gants, on les a eu. Ce que je veux te dire, c'est-à-dire pendant 3 jours, t'as essayé ta petite vendetta, t'as pas pensé à tout ça, sauf que non. Comme je te l'ai dit, non, nous, quand tu viens nous faire chier chez nous, cousin, ça va pas se passer comme ça. Maintenant, t'as eu de mes gars. On a eu des dégâts à toi. Faut, comme je t'ai dit, l'histoire, elle aurait dû s'arrêter le jour où on t'a baisé les 4 000 $. Enfin, on s'est remboursé. Et malheureusement, je pense que si t'avais été dans la situation inverse, tu te serais pas arrêté non plus. Non, je me serais dit, ok, ils ont bien joué, ils ont réussi leur coup, force à eux. On les a baisés avant, ils nous ont baisés juste après. Non, mais de toute façon, t'as bien vu que à ce moment-là, j'ai tiré mon chapeau. Maintenant, je vais pas te mentir. Moi, je suis venu ici, les mains vides, sans idée de. J'ai copié son message. Parce que pour moi, il n'y a pas de. Moi, j'ai l'avantage, toi, t'as l'avantage. Là, à l'heure actuelle, pour moi, on a chacun semé la terreur. Chez l'un, chez l'autre, il y a eu chacun des blessés de chaque côté. Et pour moi, je suis venu juste en mode, si on ne veut pas qu'il y ait des morts pour 4 000 $, on ferait bien de revenir tous à la raison. Maintenant, à toi de voir si tu veux revenir à la raison. Moi, je te le dis. Mais non, mais non, mais t'es bipolaire parce que. Mais non, mais regarde, mais c'est. Mais ça, tu tiens ce discours. Il y a 2 jours, ok, mais. Tiens pas ce discours quand là, hier, vous êtes resté 4-5 heures dans le Bronx à essayer d'attraper des mecs des blocs. En plus, si vous les aurez attrapés, je sais pas ce que vous aurez fait. Ouais, c'est ça. Vous aviez un plan derrière la tête, vous avez tenté de faire quelque chose. Ça se trouve, vous vouliez nous attraper pour carrément nous redemander la cam. Ce que je pense que vous avez voulu faire. Mon gars, la cam, on l'avait pas. Nous, on a eu notre argent. Pourquoi vous avez fait ça? Notre argent, c'est fini. Pourquoi? Mon gars, les mecs, on l'a fait. Il a été remboursé. Il a été remboursé en plus. Qui t'a remboursé? Comment t'as eu l'argent? Qui? Eh ben, man, l'argent, tu l'as récupéré, non? Enfin, tu l'as rendu, non? On est bien d'accord. Ok. Vas-y, carré. Ah, t'imagines bien, man, tu baisses des gens derrière. Tu penses pas qu'ils vont essayer de. D'aller voir ceux qui ont la dalle. Ceux qui ont la dalle des mêmes personnes, tu vois. Donc, logique. Maintenant, moi, mon argent, je l'ai récupéré. Toi, t'as récupéré tes 4 000 $, tu vois. Donc, maintenant, moi, c'est là. Les gars, ils avaient juste... Enfin, je pense Seven, c'est ce qu'il s'est dit. Je sais pas, moi, j'étais pas là. Mais il a dû se dire, on a envie de se venger par rapport au manque de respect. Parce que vous nous... Clairement, on est passé pour des cons devant un mec avec mais qui on taffe. Mais vous êtes des cons, les gars. Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. On n'est pas des cons, mon gars. On fait plus on est la terreur. T'as vu du Bronx et de Liberty City. Et quand on s'attaque à quelqu'un, tu choques, tu fais plus rien. Le Bronx, si tu veux. Mais regarde, tu viens, t'as fait des attaques, mais tu veux pas les répercussions derrière. Là, vous avez fait des trucs. Si. Les gars, faut assumer la suite. C'est l'inverse. Faut assumer la suite. C'est-à-dire que là, maintenant, il t'a dit, tu fais perdre du temps à mon King. Là, il veut son set. Ça veut dire que c'est oui ou non. Si c'est non, les gars, on va rentrer dans une vraie guerre. Si c'est oui. Hop, vous nous donnez le petit bâtiment, donne celui que tu veux, et voilà, y a rien.
Chacun. Écoute, moi ce que je veux. Le bâtiment, on le veut pas pour vous manquer de respect. Hein. On veut juste. Parce qu'on a des. J'ai bien compris. Vers là-bas. Pas nord-sud même, mais plus dans le sud, là, vers les beaux quartiers. Du coup, d'être directement à nord-sud, c'est mieux. Surtout qu'en ce moment, le Bronx est cramé. Écoute, moi, je vais en parler avec mes G's. Et je vous donnerai pas de décision maintenant. Je vais en parler avec mes gars. On va voir ce qui va se passer. Et de toute façon, je vous tiens au courant. Dans tous les cas, on est dans un état où tant qu'on n'aura pas de réponse, personne n'a fait. La dernière fois que tu m'as dit je te tiens au courant, c'était par rapport aux 4 000 $. C'est moi qui ai dû te harceler pendant une semaine pour qu'au final, t'ouvres ton cul et que tu me dises oui, c'est moi, je l'ai fait. T'as vu. Ouais, mais est-ce que je t'ai attaqué? Je t'ai pas attaqué, je t'ai rien fait parce que moi, je m'en bats les couilles. J'avais gagné mon oseille, tout s'est bien passé. Toi non plus, tu m'as pas attaqué. Ok, tu vas en parler avec tes gars. On aura une réponse quand? Dis-moi concrètement. Je sais pas, là, dans la soirée ou demain, j'en sais rien, au plus vite. Dans tous les cas, tout ce que tu peux savoir, c'est que mes gars, tant que j'ai pas pris de décision, ils vont rien faire. Maintenant, toi, si tes gars, ils passent la seconde et. Moi, je sais ce que ça veut dire, tu vois. Vas-y, regarde. Je pense que de chacun des côtés, on est bien d'accord que si vous passez la seconde, on sait très bien ce que ça veut dire. Exactement, comme je te l'ai dit dès le début. Maintenant, je te propose un truc. Va en parler avec tes gars. On se revoit plus tard dans la soirée, toi, moi, Devil. Les deux têtes de chez toi, toi et Seven. Ouais. Quelque part, on en discute, soit oui, soit non, et. Dans une heure. D'accord. Vas-y, ben on y réfléchit, je vous rappelle, y a pas de soucis. Vas-y, carré. Juste les gars, ouais. Le pétard que vous avez pris, mon gars, c'est comment? Regardez. À ton avis. De quoi? Non, c'est bon, ils ont pris à ton avis, c'est pétard Ashbin. Ils ont pris le pétard Ashbin. Ah, vous avez pris un pétard. À ton avis, les gars, je te l'ai dit, on est dans du sérieux là. Ah ouais, on est dans du sérieux. Ah, t'as vu, si j'avais pas su là, j'aurais réfléchi différemment. Ah, ok. Mais ton shooter, il se balade dans le monde, c'est-à-dire cette arme, elle a le chargeur qu'il avait dans son arme. Les cartes que j'avais en main viennent de changer. Ok, ça marche. Elle est où là? Elle est dans mes mains, nouvelle acquisition, les gars. Pas mal, hein. Je te mens pas. Si tu veux en finir avec ce genre de truc, c'est le genre de mauvaise décision que tu prends, là. Tu vois, je peux comprendre. Moi, ton arme, je l'aime bien. C'est ça le truc. T'avais dit que je l'aime bien. Ça marche. En fait, je me dis qu'en gros, elle aurait pu. T'as vu la balle là qui est à l'intérieur de cette arme? Elle aurait pu finir dans mon crâne ou dans un mec des blocs. Exactement. On le pète au Bronx. Dans le mien. On était dans la même voiture pour ça. Bah ouais, c'est vrai. La vie de ma mère, c'est vrai. T'as vu, tes gars hier, ils nous ont chassés. Harvey, moi. Ils vous ont tiré dessus. Ah, ils ont pas eu le temps, ils l'auraient fait. Ah, mon gars, s'ils voulaient tirer dessus, t'inquiète pas que c'est des shooters aguerris. T'aurais déjà tiré dessus bien vite. Donc, mais bref, je peux comprendre ton point de vue. Regarde, ce qui va se passer. Sache que c'est une décision là qui vient de me faire retourner le cerveau. Elle va rien de faire tourner. Parce que si tu veux arrêter une guerre en faisant un geste comme ça d'humiliation, tout ça, t'imagines bien que là, s'arrêter là, c'est. Surtout, déjà, on s'est vengé sur un truc de cam. Imagine sur un gun. Ce que je veux dire. C'est quoi? J'ai pas compris. C'est du même ordre. Absolument pas. Elle me parle pas de je sais pas quoi, cousin. Je vois mes gars en TT sur le marketplace habillés comme des chiennes, s'il te plaît. T'as vu? Et ça, c'est quoi? C'est quoi Arv, la dinguerie? En vrai, je crois que vous allez le ramener maintenant. C'est quoi la dinguerie Arv? T'as vu celui qui a fait ça à Devius et Cleaver? Twitter, tout ça? C'est un habitant. Il s'appelle Michou, c'est un habitant de chez eux. Mais pourquoi vous me parlez de Twitter? Je m'en bats les couilles, moi. Non, mais t'as vu, Devius, c'est pas un petit peu. Devius, c'est pas un petit peu. Cleaver, c'est un mec de chez nous. Aussi, c'est un mec important. Tu vois, là, tu vas me dire que vous avez pas humilié mes gars. Mais tes gars, ceux qui les ont humiliés, déjà, c'était pas autant. Et c'était des mecs de. Des Gigi's. Des mecs, des gangsters. T'as vu, c'était pas un habitant. Un habitant, il est même. Vous avez tweeté des trucs pareils. En fait, il est bourré, lui, aujourd'hui, je crois. C'est pas un habitant, nous. Nous, un habitant, il touche pas un mec, on l'attrape. Peut-être après, moi je sais pas moi qui gère son compte Twitter. S'il a voulu tweeter, c'est vos habitants en gros. Quand vous pétez un mec d'Ashblock, c'est vous les donnez entre les mains de petits trous de balles comme ça. Non, c'est juste non, il était autour de nos gars. Juste un habitant, il est venu, il a dû faire sa blague et il s'est barré. Maintenant, c'est comme ça. Mais tranquille, de toute façon, moi je vais pas m'attarder sur des tweets. Ok, d'accord. Donc cet habitant là, t'as vu pour ce qu'il a fait là, moi je vais lui niquer sa mère. T'as vu comme Devil t'a dit. Mais en vrai, fais ce que tu veux, moi c'est pas mon problème. Okay, hein. Il s'expose à ça, force à lui. Ok, il va assumer. Ok, carré. Maintenant, voilà, bref, ça, je m'en bats les couilles. Rends-lui son pétard. En une heure, t'as vu, dans une heure. Il est minuit, dans une heure, on se rappelle, on discute. Soit tu me dis oui, soit tu me dis non. Et comme je te l'ai dit, là on parle de l'avenir des 306 et de H-Block, mon pote. Vas-y, rends-lui son cadeau. On est bien d'accord. Vas-y. Passe-moi. Retourne derrière, je l'ai pas là. Sage décision. Quitte là.
Je sais pas, attends, hey, Sizzlock, c'est toi qui l'as? C'est lequel? Pourquoi tu l'as montré, t'as dit celui-là? Mais je sais pas, c'est pour ça qu'à un moment j'ai dit, je sais pas si c'est celui-là, c'est lequel, c'est le tien ou le mien? Bah, ramenez-le. Il avait gravé gun dessus. Non, mais il a raison, les gars, parce qu'en fait, sinon ils vont dire oui, parce qu'on a leur arme. Donc là, ça va être leur décision à 200%. C'est comme un otage. C'est triste, mais c'est comme ça. Il a raison de leur rendre. Voilà, moi j'allais faire la même, j'allais dire la même. Vas-y, dans une heure. Vas-y. Vas-y, c'est où qu'il y avait de la place là? Là, dans cette caisse. Mais comment ça a parti à les voitures? Je suis un ouf, moi, tu vois. Vas-y. Putain. Il parle beaucoup, le cous. En fait, il. Il essayait d'inverser, non, il essayait. Non, la vie de ma mère, il gagne. En fait, il fait des techniques de salope un peu. Il veut gagner du temps, dire non, je vais réfléchir pour que. Pour gagner les moindres petites minutes de répit, ouais, c'est comme ça que ça agit. Dans une heure, on va aller discuter avec eux, cousin, mais je lui dis dès d'entrée de jeu, cousin. Là, c'est une vraie guerre. Un vrai truc. Moi, j'arrive, c'est direct la vraie guerre, vous voulez. Et Devious, ils étaient, t'as vu, ils avaient tellement la haine, Cleaver et Devious, même Cleaver, hein, trop drôle. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, y'a rien, mais c'est, en gros, c'est un habitant qui a fait ça. Mais on lui niquait sa mère, lui. C'est parfait que t'es sorti ça. Pour moi, y'a pas que niquer sa mère, hein, moi, pour moi, il meurt, cousin. Ça va mettre des coups de marteau dans les mains. En fait, ça dépend de son discours, ça dépend de son discours. Mais en gros, il les a gardés toute la soirée, c'est l'habitant. Ça, c'est une bévue, j'appelle ça une bévue, bon. C'est quoi ça, une bévue? Genre, c'est une bavure, mais. Tu vois, une vraie bavure. Une bévue. Tu vois, quand tu fais pression à quelqu'un, t'arrives, tu dis, bon, je fais une petite bévue, hein. Tu vois ou pas? Parce que pour mettre pression, t'es des bons mots, tu vois ou pas ce que je veux dire? Non, je vois, ouais. Je vois. Je vois au moins. Une bévue. Eh, eux, ça va les attraper. Eh, coup de marteau dans les mains, hein. Anecdote, Poucave m'en bat les couilles, t'as vu ceux qui se mettent mort. T'as vu le arm, t'as vu les coups de marteau dans les mains. Ouais. Je panique. Dis. Bah c'est quelqu'un de son entourage qui a fait ça. Ah mais je savais ça. Ah tu savais? Fais semblant, fais le choquer. Mais non mais pas qui a fait les coups de marteau, hein. Pas parmi les racketeurs en gros. C'est l'inverse. Ouais, je sais. J'avais compris, fils de pute, j'avais compris. Ah bah en plus ça m'a donné un marteau là, ça m'inspire. Les anciens m'inspirent. Ah va niquer ta mère toi le chiffre pisse. Et là y'a tout le monde là où il manque un mec, y'a tout le monde où il manque un mec. Il manque TQ. TQ ouais, le frère. Il manque mon frère les gars. On est 14. Mais vas-y, Devious, expliquez qu'est-ce qu'ils ont fait en gros, comment ça s'est passé. En gros, je t'explique comment de base je me suis pété. Attends, toi explique pas. Il est où Cleaver? Vas-y Cleaver, explique comment je t'ai fait péter sachant qu'il est. Ouais, je suis là. Comment je me suis fait péter les gars? J'étais devant le barbeur. J'appelle Sizzlock, ouais, il me dit ouais, y a Biggie, il va venir te chercher. 10 secondes après, bah il y avait un SUV noir, il débarque et il me soulève. Putain. Simple et efficace. J'ai pas eu de chance, les gars. Moi, je t'ai dit, t'es en guerre. Non, mais j'avais dormi en ville hier soir. Il y avait une soirée, j'ai dormi là-bas. C'est pour ça. On est en guerre, tu dors à des soirées, toi? C'est fils de pute de Cleaver. T'as vu, eh, première non, dernière non, mais les gars, fois, comment ça a arrivé à réveiller un peu? Non, vraiment, dernière fois. Là, je suis réveillé, je vais baiser des mères, là, vraiment. Non, là, je vais baiser des mères. Vas-y, explique un peu. Et là, t'es passé pour une chaîne sur les réseaux. T'as vu sur les réseaux, là? Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Ça veut dire, réveille-toi, t'as vu là, non, Devious, pas toi, t'inquiète. Non, je suis réveillé, les gars, je suis réveillé. Non, pas Devious. Les gars, commencez pas à me... Chauffez pas, les gars. Explique, Devious, comment ça s'est passé? En gros, t'as essayé hier, t'as le plan avec le Ponder, avec Big Air, pour bloquer vous. On bloque, moi, du coup, je descends côté gauche, côté essence. Et c'est pas, il y a une voiture, cousin, limite elle me fonce dessus, enfin elle m'a foncé dessus quoi, en gros, et vas-y, force, ils m'ont pété. Et ils vous ont fait quoi là-bas? Non mais bah les couilles de ça, ça c'était hier de toute façon, t'as pas eu de chance. Il s'est passé quoi? Mais ouais, là-bas, et non, en gros, ils m'ont mis dans un coin, ça me mettait des pêches, photos, et vas-y, hein, ils ont fait leur montage chelou. Mais pourquoi c'est un habitant qui a fait ça?
C'était Michou. Lui, c'est un habitant, Michou. Et il y a un autre là, Toothpick. Zig. Toothpick, ouais, Toothpick. Mais lui, c'est un 306. Ouais, mais expliquez bien, cousin. On dirait. Expliquez bien, en gros, l'habitant, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il y a c'est un habitant. En gros, là, c'est normal. Là, il n'y a rien là. Pour... L'habitant, il t'a baisé ta mère, t'en bats les couilles. Mais cousin, moi, l'habitant, il m'a tabassé les couilles, cousin. Là, je sors du Bronx, je vais lui niquer sa grand-mère, c'est tout. Mais en gros, tu lui as dit, est-ce que tu lui as dit ouais, je lui ai bien dit, je lui ai dit, écoute, t'as eu, moi, je te spoil carrément, t'as eu, là, aujourd'hui, je te spoil, c'est la fin, je te spoil la fin de l'épisode. Ce qui va se passer, c'est que moi, dès que je vais sortir d'ici, ça va être le dernier jour de ta vie. Et lui, il te répondait quoi, mais tu lui as dit, t'es un habitant, tu fais ça et tout. Ouais, je lui ai dit, ouais, t'es un habitant, cousin, t'as eu, fais très attention à ce que tu fais, nani. C'est pas très bon ce que tu fais, t'as eu, commence à te réveiller. Et il me dit, ouais, non, moi, il y a déjà des mecs de H-Block qui m'ont dit ça, jamais je me suis pété. Bah, j'ai écoute, force à toi. Ah, il y a une première fois à tout. Quand j'ai dormi chez eux, la vie de ma mère, c'est le même mec qui embolie, s'assied sur moi, t'as vu. C'est pour ça. C'est un habitant, à partir du moment où il lève sa main, cousin, quand il l'a attrapé, il meurt. Il a pas peur. C'est pour ça. C'est même pas un gangster, il fait ça. Moi, je le dis, cousin, je te spoil la fin, c'est fini pour toi aujourd'hui. Il m'a dit, ouais, vas-y, faisais l'arrogant. Ah, mon gars. C'est son choix, sauf que... C'est un albinos. C'est un albinos avec des traits jaunes, t'as vu. Bref, si vous tombez sur lui, et si vous le trouvez, prenez-le, embarquez-le, ramenez-le à H-Block et vous prenez. Vas-y. Carrément, dans une heure, on va les voir. Un autre truc là, non ? Sizzlock, appelle les Lost pour avoir nos deux boîtes. J'appelle Simon. Comment niveau stock là ? De com. On a vendu une tonne à peu près 300 encore de crack. Mais faut recuser. Faut refaire encore. Ouais. J'appelle Simon, il voulait nous donner un truc, je sais pas quoi. Il nous manque quoi pour quoi ? On doit lui rendre de l'argent. Ça. Là, je pense que c'est Aspirine qu'on a besoin. Shalom le beau gosse. Ouais, ça va tranquille, vas-y viens, je bloque Simon. Putain, je suis à la Statue de la Liberté là. Pourquoi, tu fais quoi là-bas? Y'a un karting. Vas-y viens. Ah bah les couilles du karting moi, bah vas-y, bah on se voit plus tard. Bah vas-y, attends, non, je prends un bateau, j'arrive. Vas-y. Et je vous récupère un bateau H. Non, nous on reste à H-Block, nous, moi je viens te rendre ton argent et tu m'avais parlé d'une surprise aussi, je sais pas quoi. Ouais putain, mais je l'ai pas reçu, Devil là. Bah vas-y, bah viens, je te rends, bah on se voit plus tard la soirée, je te rends l'argent. Vas-y, mon frère, t'es un bon, merci mon frère. Vas-y. Allez, shalom. Il y a aussi le label, mais j'ai pas leur numéro, ces fils de pute, savoir qu'est-ce que c'est. Attends, GGG, c'est vrai, cousin. La dernière fois, on est allé, on a dit on revient, on n'est jamais revenu. C'était à 5 jours. Toc, 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 c'est les JDs. Hier, on a ramassé quoi sur la commande? Sur la livraison. Même c'était quoi un pétard. Un Glock. C'était un Glock, je crois. Ouais, c'était un Glock. Ouais, pistolet de combat, Glock. Qu'est-ce que t'as, cousin? Tu veux me sucer la bite? Je comprends pas, là. Là, il est où, Sizzlock? Y'a qui, là? Tout le monde, Sizzlock, il est au téléphone. Il nous faut de l'aspirine. On n'a pas d'aspirine. Ouais, je crois que c'est l'aspirine qu'on apprend. Va voir Taïfi. La boucave quoi, Ronnie? Vas-y. Tu regardes s'il y en a assez pour faire une tournée ou deux. T'inquiète pas, le Michou, là, on va lui piquer ça. C'est mort. Ah, je parle grave sérieux, Arv, je m'inquiète vraiment pas. Je suis grave à l'aise, grave sérieux. Ouais, mais le fils ta mère. Il m'a dit pour les munitions, là, il a pas reçu sa cargaison, il m'a dit c'est bloqué, je sais pas quoi, il m'a dit demain soir. Vas-y. Ouais, mais le fils ta mère, elle fume le mégot. Et là, Taïfi, là, c'est comme au niveau aspirine, dès qu'il revient, on fait une équipe, là, qui va aller court. Et hier, on a vu le... comment ça s'appelle? Tu vois les lords où ils habitaient à l'ancienne, leur garage, là. Ouais. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont déj. C'est les Angel of Death. Et les Jamaïcains aussi, on les a revus depuis ce qu'on leur a proposé. Ah ouais, c'est vrai. T'as leur numéro ? Ma mère, il m'a pas. Ils voulaient vous voir. Ils m'ont appelé. Même fils de pute. Avant-hier, je crois, ils m'ont appelé. On les a vus hier, ils voulaient vous voir. Ouais. Choco, je sais pas quoi là. Le Rastan. Ouais, et tu sais quoi, les Memphis, tout ça, allez traquer le Michou, c'est de le péter. En attendant déjà qu'on est efficace. Memphis, tout ça, Curtis, prenez une voiture, allez chercher 600 Hall. Et vous appelez si vous voulez, si vous le croisez ou vous le pétez carrément.
T'inquiète, c'est un habitant, je le pète. Hein. Ouais, vas-y, bah pétez-le, vas-y, bah voilà, pétez-le. Décolle. Hey, Chino, cousin, ouais. Ça y est. Non, c'est mort, il faut l'aspirine. Quand vous achetez, achetez-en, 200, c'est 200, Biggie. C'est parfait. J'ai un endormi, c'est dingue. C'est grave, non. Ouais, quoi. Et on a deux. On a de quoi couper tout le truc. 66-45. C'est le mec de chez sur la tête, un Choco. C'est 5-5. 5-5-5 tiré 66-45. C'est pas quelqu'un qui a bouffé, là. C'est grave, les rats où vous êtes, bande de fils de. Non, j'ai rien, frérot. Le big. Et ta fille, c'est comment pour Cook? Il faut 200 Spirin. Vas-y, David, appelle Simon. Ou Ronny. C'est Ronny, ce fils de pute. Mais appelle Ronny. Et Ronny, c'est un fils de pute. Hein. Pourquoi? Vous savez qu'il fait que de vendre des trucs. Hein, hein wow, pas non, que des aspirines à ce qu'il peut avoir. Ouais, c'est hard, là. Des joueurs, c'est du coup. Ah ouais, t'as fille? Clairement, mon frère. Source. Et l'autre là, les 36 qu'ils ont dit. 1, 7. Non, ton père. Il répond pas. Y'a qui d'autre qui livre ça? Bah, Simon aussi, je crois, il livre ça, non? Ouais, y'a pas un truc de Simon, je sais pas quoi. Simon aussi, je crois. Mais Simon, on sait pas, hein, on n'est pas censé savoir. En gros, ouais, on a juste si, l'info. Bien sûr, les gens qui ont de l'aspirine là, comment on peut faire? Non, rappelle-toi, c'est des. Combien? Il m'en faut 300. Vas-y, j'arrive au H, là, je suis en bateau, j'arrive. Vas-y. Je vais voir ce que je peux faire. Comme ça, je te rends ton argent, je te paye les 300, comme ça, on est bien. Vas-y. Hey, Young Puppy, y a Tinder, hein. Va où ton téléphone. Va dans Matchmaker. C'est pour qu'on la bringue, là. Faut une petite bringue pour que je m'adapte au pays. Tu vois ce que je dis ou pas? Ah, une petite fête. Faut que je m'en sers. On va aller après, dès qu'il y a un truc. Alors. Même les, c'est comment le. On les voit tout à l'heure. Le triangle, il y a Simon qui arrive. Il y a Simon qui arrive. Ronny me répond pas. Simon, il arrive. Il y a quoi qui a avancé? Les travaux des triangles, ça a avancé. Hein. La fin de ma mère, cousin, aucun, j'attends. Mais je sais pas, cousin, je sais pas. C'est que ça me manque, hein, le triangle un peu. Ah ouais, tu connais, en plus, ça faisait des sous en plus. D'ailleurs, ouais, mon téléphone, mes contacts, je vais faire un tri. Est-ce qu'ils sont vivants ou pas vivants? Alors, ok. Dis-moi les blazes, moi, je te dis. Asiatique hot. Vivant. Ah oui, allô? Oui, allô? C'est pour passer une commande. J'appelle le restaurant là. C'est ça? Ah oui. Oui, c'est ça, le restaurant. Bah, je voudrais. Enfin, y a un plat du jour? Alors, on fait du riz. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 12 secondes. Ah putain, c'est pas rapide. Hein. Ça fait 2 secondes. Alors, on a du pâté, on a des ramen, on a du riz sauté, on a du sitao, mettez-moi du lait. Mettez-moi deux ramen avec de l'eau. Jure la vie de ta mère. Et des mochis. Mets-moi du saumon cru, là. Je crois pas qu'on a des mochis. On a du thé au lait, si vous voulez. Du thé au lait, impeccable, parfait. Et c'est pour tout de suite à H-Block. Ah, mais attends, on fait pas de livraison, nous. Ah, mais vous pouvez pas faire là, exceptionnellement. Là, je suis un petit peu occupé, je vais pas vous mentir. Pas passé là? Ok, bah écoutez, dès que c'est prêt, vous m'appelez, je passe. Je récupère la commande. Ok, et du coup, juste récapitulatif, 3 ramen et 3 thé au lait, c'est ça? C'est ça. Ok, bah vous me dites quand vous passez. Bah vous me dites quand c'est prêt, okay. Hein. Bah c'est prêt là, c'est bon. Déjà? Je fais ça en 5 minutes, hein. C'est du surgelé? Non. Non, c'est pas du tout. Non, mais moi je suis rapide, hein. Vous inquiétez pas. Ok, on arrive. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Merci. Biggie, appelle les autres qui te récupèrent. Les Memphis et tout. Vas-y. Devin. Ouais. Isaac m'a appelé. Simon. Ton coffre est rempli, mon frère. Vas-y, Devin, lui, on y va. Toi, Simon, sors ta grosse bite que je la lèche. Non, efficacité. Est-ce qu'il a déjà ramené la spirit? Dans le véhicule. Mais non, Simon, putain. Ah bah sûr, mon frère. Ça fait combien de dollars? Ça fait combien? Attends, tu crois vraiment que moi je vais te faire payer ça, Devin? C'est rien, ça. Ça, c'est rien pour moi, ça. C'est Simon, de la merde. Je crois que je vais faire construire une statue. Ouais, toi, ici, je suis beaucoup au milieu, là. Là jure. Non, j'ai un celle de Zidane. La vie de ma mère, on va te payer. C'est combien? Ah, Toto, je veux rien. Mais arrête, j'ai juré sur ma mère. Non, mais arrête. Ah, la Toto, c'est plus important que ta mère, l'île des villes. Vas-y, 50 centimes unité, c'est bon? Ça fait combien de dollars? Ça fait 175. De toute façon, bat les couilles de ma mère. Mais je te paierai quand même. J'en ai rien à foutre. 170. C'est un bon Simon. Prends le volant, t'inquiète pas, mon frère. On revient, les gars. Vas-y, éclatez-vous, les gars. Vas-y, si c'est bien.
Y'a qui on prend? Viens, Young Puppy, viens. Eh, Biggie, rejoins les autres, quoi. Et restez sur la, le Michou, là. Mais t'es un bon, c'est bon. Bienvenue, les frères. Ah, vas-y. Y'a quoi? C'est le truc de 7. Ah ouais? Bah, viens, dis-lui, on mange au restaurant chinois. Je sais pas, il m'a envoyé une pause, il m'a dit. Appelle-le, tu veux pas qu'on. Parce que là, en gros, je sais pas, j'ai paniqué, j'ai appelé la meuf des Yuzang. Je lui dis, ouais, pour commander au restaurant. Là, c'est prêt. Comme Raid Barman, on a un SUV tout noir. Eh, tu m'as donné trop. On fait ça ou pas? Ah. T'es moqui, là. Tu lui dis, on se rejoint au restaurant des Yuzang, on a pris des menus. Allô? Oh, le coffre, sa grand-mère, le coffre, il est blindé d'aspirine. Là, je te cache pas, là, j'ai réservé une petite table, t'as vu, pour bien faire les choses, petite table au restaurant, ça veut dire viens au restaurant chinois. On va discuter, je te paye ta graille. Ouais, viens. Donc, t'es un chien, t'as pas d'argent, vas-y, viens. Chinatown. Ok, bah vas-y, paye. Parce que moi, j'ai. Vas-y, tu vas payer. Vas-y, viens à Chinatown. Putain, tu conduis comme. Comme une petite fille. Pourquoi t'es revenu ici? Parce que j'ai à 350 d'aspirine dedans. T'as les clés de l'intérieur? Ouais. Non, j'ai pas. Bah ouvre, on t'aide. Ah, moi, tout ce qui est clés et tout, de trucs et tout, c'est quoi? On va te passer après. Ah, c'est. Là, vas-y, fais comme si tu ouvres tes poches. C'est bon, on a tout, c'est bon. T'as tout pris? Ouais. Carré. J'en ai mis 150. Dis-moi, t'as tout vidé? Ouais, j'ai tout pris, j'ai tout mis. C'est bon, vas-y, on sort. Tiens, je te passe les clés, Young Puppy, de ça, viens, descends. C'est bon, t'as. Vérifie. Ouais, j'ai vu. Vas-y, carré, vas-y. Pourquoi il ouvre le coffre? Je voulais vérifier. Non. Pourquoi tu baises la voiture? Pourquoi tu fonces partout, putain? Ouais, je te jure, il conduit comme ma petite sœur. Elle est bonne. Oh. Heureusement, j'en ai pas, petit fils, c'était pute. Le mec, il s'excite de fou. Non, ouais. En fait, il y a une moto, ce qui paraît, qui tourne. Et en gros, ils sont. Il y a deux mecs dessus, et là, ils tournent autour des blocs. Ils sont deux dessus, tout en noir. Après t'as vu à nous finir à nous éteindre. Putain mais quoi il m'appelle? La bike life. Oh, allô. Ouais, allô. 1-2, tu me reçois? Ouais, allô. Ouais. Oui. Putain, t'as du mal. Oui, je t'entends, oui. Comment ça s'est fermé, David? Quoi, le restaurant? Non, on arrive, la vieille mère, on a commandé. Dis-lui, non, on a commandé, c'est parce que t'es une merde. On arrive, t'es une merde, t'es pas connu. Nous, on a. T'inquiète pas. Dis-lui, on arrive, de toute façon. C'est une merde. C'est normal, parce que t'es pas connu, c'est normal. Vas-y, on laisse sa meuf, cousin, raccroche-lui. Ouais, sa grand-mère. Panique, vas-y, dis-lui, on arrive. Reste là, grand-mère. Par contre, les homards, on en parle, les gars. Hein? Débat parallèle. On l'a dit en même temps, chips, nique ta grand-mère. Eh, hey, j'appelle Sizzlock. Je lui dis reste autour au cas où. Big Arv. Arv. Ouais, t'es venu. Ouais. T'as vu là, on va voir. On a le rendez-vous avec 7. Et on va le faire au restaurant des Yuzang. Reste autour, je crois que. On va au restaurant des Yuzang, on va faire le rendez-vous avec 7, tu vois. À moyen, ça part en couille. Soit à l'affût à côté. Prêt à intervenir. Vas-y. Fais-toi pas cramer. Vas-y, c'est quand? C'est tout de suite, là? Ouais, c'est tout de suite, là, j'y vais, là. Vas-y, je fais demi. C'est quoi? T'as une chance d'être ici, c'est que t'as une chance. T'en es conscient. Parce que King Arv, on est frères, toi et moi, non? Non, ça, je ne comprends pas. Tu me dois toujours 30 balles, d'ailleurs. Je te connais pas, toi. Ça, t'es un vrai fils de pute, mais tu sais,
Ça, c'est la preuve que t'es un vrai, un mec qui croit en rien. T'es un bâtard. Comment tu peux faire un pari que cousin? Tu me juges? Ouais, ouais, je te juge. Ouais. T'as perdu un pari, cousin. Vous avez joué un match. T'as perdu, t'as pas les couilles. Je lui ai dit non. On a découvert. Regarde, on a juré le premier match. J'ai gagné. Le deuxième match, il a juré. Moi, j'ai pas juré. Ouais, mais t'es un fils de pute. J'en ai vu des menteurs qui n'ont pas d'âme. Il a juré, il a juré. On refait le 22, le 22. 200. Ouais. Vas-y, attends, t'as trop de sous, toi. Quel 200, cousin? Je croyais à 200. Ah, c'est quoi son nom, lui? Parce que je suis sûr de moi, cousin. Je suis à nouveau, il est. Ah, je te jure, je suis chaud pour ça. C'est vrai que là, il est devenu chaud. Hein. 100, c'est bon. 100, suce-moi la bite, merci. Mais je l'ai jamais vu. En fait, c'est ce que tu dis. Mais vu que t'es fou, je crois que t'es nul quand même. Si on parlera de ça après. Regarde, je t'explique, Seven. Regarde, quand tu viens avec une doudoune orange, t'as eu, on dirait un Playmobil, c'est normal. Casse-toi, gros. Je la donne à la centrale. Grosse de centrale, la centrale électrique, ouais, qui est tombée en panne. Dose, cousin. Ton big jean là, non? Il sent jusqu'au genou, tu vas me faire mal. Vas-y. J'admire, vas-y, je regarde l'instar, je regarde. Ouais, regarde. On a pris une table. Ouais, ils ont pris une table. Oui, bonjour, c'est pour la commande, c'était moi au téléphone. Ah oui, d'accord, hey, bah, venez. Merci, madame. Ah, c'est pas à l'intérieur? Non, il y a que assez que de l'emporter pour l'instant. Eh, fait. Un popo, on va pas manger à l'intérieur. Non, pas manger. Ok, bah vas-y. Du coup, je vous passe tout à vous, ils ont fait comme top, tu connais pas moyen. Tranquille, on va manger dans la voiture, les gars, on va manger dans la voiture. Compressez ton collègue. Dans la voiture, pourquoi tout le monde vient manger là, je comprends pas. Bah, je sais pas. On vient manger dans ton restaurant. On a pas. Les gars, qui a 40 dollars? C'est qui lui là? Oh la honte! Non, c'est trop. Venez, madame. Moi, tout est coffré dans les wallets, comme dirait l'autre. Putain, elle a dit la honte. Mais propos, les meufs de chez toi, elles sont matérielles. C'est 40. De quoi? Elle a dit la honte. Elle me juge juste parce que j'ai pas 40 dollars. Ah, ils m'ont refusé quand même. C'est tendu, hein. C'est bon, c'est la honte. On fait ce qu'on peut, madame. Mana sur Twitter, sur Matchmaker et tout, finalement, tu peux pas mes menus. Tu rigoles ou quoi? Ouais, non, mais on reviendra tranquille. Vas-y, ben. Je vais rentrer payé carrément, enfin, popo, mais vas-y, je vois, c'est la galère. De quoi? C'est pas grave. J'ai dit, on voulait rentrer et manger à l'intérieur. Ah, je sais pas si tu mérites. On va passer dans l'heure, hein. J'ai pas encore si le menu il est offert. Hein. Non, c'est parce que mes petits frères ils voulaient manger, du coup je voulais les régaler, mais vas-y, c'est pas grave, En ville, j'arrive le resto est fermé, il est privatisé le resto. Tu m'as payé une commande. On m'a dit c'était le meilleur chinois de la ville, je viens d'arriver en ville, j'ai faim. Maintenant, c'est le seul, monsieur. Comme ça, l'accueil. C'est qui ce fou là? C'est qui lui? Oh ouais. Avec vous. Il fait grave frais. C'est qui? Il est grave frais. C'est mon cousin Sang qui vient d'arriver là. Ouais, tranquillement, et vous les gars, ça va tranquille? Tranquille, dégradé propre. Bien tatouage, Jean-Pierre. C'est chaud. Non, t'es chaud. Se voit, bah vas-y, on vous laisse. Fait mal. Vas-y. Force. Vas-y, les gars. Air Force. Vas-y. Ah, t'appelles comment toi? Ah, parle comment toi? Young Puppy. Toi, t'appelles comment toi? Puppy. Young Puppy. Vas-y, ma gueule, vas-y, pas de problème. Ça m'écrase tout le temps là. Vas-y, vas-y. Où elle est Lost? Ouais, salut. Bien. Tranquille. Tranquille. Ouais. Je suis pris Putain. Elle met la pause sur WhatsApp pour Sizzlock. Comme une envie de tous les baffer. gros race là. Allô. Ouais, finalement on va changer, c'est dans un autre endroit le rendez-vous. Ouais, mais il vient de se boire et Comme Raid Barman. On vient ou pas nous? Ouais, mais autour, en gros cas où. Je t'envoie un SMS, si je te dis go, c'est à dire viens et Kebrale. Vas-y. C'est où Comme Raid Barman? Raid Comme Raid Barman? What you gonna do if I take you? What you gonna do? You Canada go. C'est quoi ça pose à l'autre bâtard? Oh, Je t'avais dit quoi, Lil Devin? Je t'avais dit quoi sur. Eh mec, bloqué en 2010. Comment je me relève? Je rigole, niquez vos grand-mères. Véhicule allemand, c'est solide. Attends, mais t'es qui? Ah non, pas.
La vie de ma mère, j'ai oublié. La vie de ma mère, j'ai oublié. Je suis bourré. On est 50 là. Non. C'est les vies teintées, les gars. C'est les vies teintées. On vous a pas vu. On vous a pas vu. Dis-moi, tu me le vends combien ton R50? Comment ça? Bah, tu le vends combien? Ah, le véhicule. Bah oui, celui-là. Tu sais pas dans quoi tu roules. Bah oui, c'est ton R50. Non, mais parce que j'ai cru que en gros c'était une blague. Oh là là, là. Oh bave, tozo la même. Oh, toujours la même, toujours la même. Elle panique, c'est les pas. Non, arrête. Ouais, c'est ça, vous donnez des eh, je le vends contre la meuf. Eux, faut pas les insulter. Eux, t'as vu, c'est les boss de la ville, en gros. Ah ouais. Parce que je pense que toi, comme pour moi, cette guerre, ça va nous faire perdre de l'oseille. Après, comme tu le dis, moi je suis prêt, hein, toi aussi. Donc voilà. Maintenant, moi je vais pas te mentir, j'ai des mecs déjà dans ton Bronx là qui portent mes couleurs, ça m'énerve bien plus. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils osent revendiquer des drapeaux qui sont pas les leurs. Donc, déjà rien que ça, tu vois, c'est ça qui me met en run. Oh, j'allais faire une masterclass, j'ai la haine. J'allais dire bas les couilles et je monte dans le métro, je me barre. Territoire. Qui peuvent être proposés, je te mens pas que si tu y vas, ça sera pas que moi que t'auras sur les côtes, tu vois, ça sera les Crips, ça sera du monde. Après, petit comme ça doit pas te faire peur. Non plus, en vrai, ça me ferait pas peur. Mais Northwood, man, c'est une zone bien minée. Tu me parles des Crips, aucunement ça me fait peur, cousin. Moi, si je te dis que je vais en bâtiment là-bas, c'est que je sais. Comme Develi t'a dit tout à l'heure, nous on a des intérêts là-bas, t'as vu. Northwood, c'est un coin qu'on aime bien, même. Toute votre île, hein. Donc, je sais bien, nous aussi, t'inquiète pas, on n'est pas là-bas pour rien. Mais comme on dit, on choisit pas ses voisins. Maintenant, c'est comme ça. Mais nous, derrière, on a réfléchi à des trucs qui peuvent te faire gagner bien plus d'osé que des blocs. À savoir, je voulais parler avec des villes là où toi, par rapport à ce qui s'est passé avec les Wuzang là. Parce que j'ai une petite suspicion par rapport à ça. C'est-à-dire Devil, moi je te mens pas, Jason je l'aimais bien. Mais il nous apportait beaucoup de business. Mais je pense que si personne n'a réagi comme t'as réagi, c'est parce que personne n'était prêt à mourir pour un mec qui nous faisait gagner de l'argent, tu vois. Pourquoi t'as fait ça? De quoi, Rodi? Il disait Jason, c'était tous un gars qu'on aimait bien, c'était un gars qui faisait du business. Ah, pourquoi je l'ai sauvé? Ouais, pourquoi tu l'as sauvé? Plus qu'un autre. Parce que... Tu le sais déjà, je crois. Tu le sais, arrête de faire ton petit vicieux. Tu le sais. Bah, dis-le moi. C'est mon père. Ah bon? Ouais. La vie de ma mère, je savais pas. En gros, parce qu'on traîne pas ensemble, on a rien ensemble, on fait rien du tout ensemble, c'est pour ça. Mais je l'ai pas sauvé parce que. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais t'as eu pour mon honneur. Et tout le monde savait que c'était mon père. Arrête de mentir, toi. Tu savais que c'était mon père. Et tu crois que moi, je vais laisser mon père mourir devant des mères comme vous? Par contre, là, je sais pas, hein, je crois qu'ils l'ont tué finalement, mais moi je voulais juste qu'il tue pas devant mes yeux. Il est mort ou il est pas mort? Bah là, il est mort. Je l'ai sauvé, je l'ai ramené à l'hôpital, mais ça a pris trop de temps. Mais il est mort. C'est pas ce que disent les contacts à droite à gauche, hein. Qui ça? Aux dernières nouvelles, moi je suis parti, t'as vu, j'étais à son enterrement. Bohan, c'est ton cousin? Ouais. Il l'appelait tonton devant moi. Manque de discrétion. Où ça, quand? Au doc. Une fois, je suis venu parler. Il s'est fait engueuler. Il s'est fait daronnette, tonton, je sais pas quoi. Il l'a appelé comme ça. Il lui a dit, casse-toi, mon neveu, je sais pas quoi. Et oui, mais bref, quand? Je sais pas, ça date de ouf. Ah oui, mais il est mort, en gros. C'est quoi, pourquoi j'ai mis ça? Ouais, non, je te demande juste. Ah, en gros, que t'avais... Pourquoi tu l'as défendu? Ah ouais, mais dans tous les cas, t'as vu... Je m'en bats les couilles de sa putain de vie. Ça veut dire que... De ton père? C'est là que tu me le dis en mode une menace, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Non, mais... En fait, je te pose juste cette question à titre informatif. Non, c'est mon père, moi je m'en cache pas, moi c'est mon père. Si je l'ai fait, c'est mon père, tout le monde le sait. Mais on n'a rien en commun, lui et moi, t'as vu. Moi je suis un mec des blocs. On a un truc en commun, alors après je sais pas comment tu penses, c'est que on a tous les deux perdu notre père pour du business et pour des broutilles. Et je pense que, tu vois, chacun d'eux, là où ils sont, ils veulent qu'on prospère et qu'on baisse des mers et qu'on fasse de l'oseille. C'est pour ça que, justement, cette discussion, elle est importante. Tout ce que vous avez fait et ce que t'as fait en réfléchissant avec ton cœur autrement qu'avec les dollars,
ce qui est honorable, je vais pas te mentir, c'est... ça t'a fermé des business. Certainement celui de la coque. Son daron à lui, je m'en bats les couilles. J'imagine bien, toi de ta, ta vision d'OG. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'en as rien à foutre, mais ça t'a quand même peut-être fermé des business, vu que lui, il a réfléchi avec son cœur, tu vois. Bon, allô, c'est important. Allô, ouais. Non, même pas, Ouais, il y a les coms juste en dessous du rendez-vous, vraiment. Je t'en prie. Vas-y. Il a été fait. Attends, parlez moins fort, Les SCPJ. Qui montent à ce qui paraît. Ils sont partout, ça. Attends. Il y a des gens qui sont là, les gars, c'est vous qui avez appelé ? Non, non, c'est le LCPJ. On a juste. Il y a une voiture 4 places là qui fait que tourner depuis tout à l'heure. Ouais, c'est des mecs de chez nous, mais au cas où. Et là, ils m'ont dit, bah, dis à ton gars, il va voir. Moi, je suis recherché, les gars. Ouais, vas-y. Bref. Vas-y, bref. Mais t'as vu, c'est ton père. Moi, mon père, t'as vu, c'était un bonhomme, c'était un mec en place. Il avait les docs et tout. Et ouais, bah, c'est pareil. Mais je m'en bats les couilles de lui. Toi, ton père, c'était lui là, sur l'affiche. Merde. Je vais pas me retourner, j'ai pas envie de. Non, mais regarder. regarde, c'est pas une insulte. Regarde pas. Je vous ai déjà dit de pas parler de mon père. moi, mon père, c'est un OG. Moi, je m'en bats pas les couilles de lui, c'est la différence. Okay, maintenant, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tu veux me faire en mode on a perdu nos darons? Je veux pas te faire. M'en bats les couilles, moi. Ça va fermer des business. Je lui ai dit que ton père, je m'en bats les couilles. Laisse-moi en venir au fait. Ça va fermer des business, je vous le dis. Non, certainement. Pas du tout. Certainement celui de la cocaïne. Non, pas du tout. T'arrives à t'en fournir de la cocaïne? Je vis bien. C'est ce que je me faisais bien avant cet événement-là, et bah je me fais le double. Donc ça n'a eu aucun impact sur mes recettes et sur comment ça te génère, t'inquiète pas. C'est pas ce qu'on m'a dit, maintenant... Ouais, vas-y, va droit au but. Nous, ce qu'on allait te proposer, c'est étant donné que... on sait que vous êtes possiblement en incapacité de vous fournir de la coke, on allait vous proposer de vous en fournir à un prix... réduit, on va dire. Combien? Je vais tout casser. Non, y a pas de combien. Je vais tout casser. Encore une fois, tu te fous de ma gueule, la vie de ma mère. Je me fous pas ta gueule, je te donnerai pas de territoire. Hein. Il faut que tu le comprennes. Ok, d'accord. Mais là, tu me proposes de t'acheter de la coke, cousin. On passe de un territoire chez toi, t'as vu, ou quelque chose d'équivalent, à je te rachète de la coke. Tu te fous de ma gueule. Je me fous pas ta gueule, tu vas gagner de l'argent en rachetant cette coke étant donné que tu vas l'acheter pas cher et tu vas la revendre encore plus cher. Donc là, autant dire que t'en pourras jamais les. Ok, bon. Attends. Imaginons, on dit, ok, ta coke, tu l'as où? Moi je veux savoir, tu l'as où? Combien? C'est quoi? C'est de la cam comment? C'est de la bonne cam, elle est coupée, explique-moi. C'est de la bonne cam. Moi maintenant, je vais pas te dire d'où elle vient, à droite, à gauche. Ici, justement, si je vous ai dit ce que je vous ai dit avant, vous devriez comprendre. Maintenant, à toi de réfléchir. Maintenant, moi je te le dis. Ouais. Si je te la revends. Ouais, trois voitures de comme ça en dessous là, ils ont fait des appels de renfort. C'est genre $2 plus cher que le prix. Vas-y, on se barre. Histoire de pas me faire baiser, tu vois ce que je veux dire? Eh, venez, je vais te la vendre comme un fils de pute. Ouais, y'a trop de flics. Je crois qu'il va falloir se barrer. Attends. Je t'en parle, y'a rien. Bon, allô, faut se barrer. On les baise, faut se barrer ou pas? On attend le métro, ils veulent quoi? Mais dis-toi, ils se sont fait grave des appels. Donc en vrai, y'a grave des patrouilles là. Donc, pour moi, faut tailler. Attends, je repasse, reste au téléphone. Ah, y'en a une qui est en planque, juste à côté du magasin de vêtements. T'as dans la ruelle. Y'en a une qui est en planque. Tu fais bien, maintenant, moi, quand je te dis que je suis dans le truc là, y'a une à côté. Vas-y. Mais bref. Ils ont vu nos voitures ou pas à l'intérieur? Je sais, t'es garé où toi? À l'intérieur, t'as vu à l'intérieur du métro. Dans le truc? Ouais. Ouais, mais en fait, dis-toi, bah, la Jackal sortait. Quand moi je l'ai vu, en fait, elle sortait. Vas-y, on se barre. Vas-y. Ouais, barrez-vous. Y'aura pas d'histoire de tour. Faut se barrer, Arv. Ils sont rentrés sur la voiture, ils ont dû voir la plaque. Et c'est mon véhicule, je suis recherché. C'est chiant, toi. On va changer de pause. On change de pause. Vas-y, on change de pause. Vas-y. On a appelé 6 docs, hein. Ah, mais t'as vu comme moi, j'ai perdu mon père aussi, t'as vu la discussion, elle m'a fait. J'en ai les larmes au Uxer. Ouais, putain, je voulais.
Après, il a essayé de te gérer, un petit point commun. Il lui a jeté de la coke, les gars, je vais. Ouais, non, lui il est fou. Hein. En fait, il veut pas de la guerre, ça se voit. Il faut rester sur le bâtiment, tu vois, on veut le bâtiment. Bah oui, moi c'est, je dis le bâtiment, quelque chose d'équivalent. Là, il me propose de lui acheter de la coke, cousin. Mais à un moment, il a dit. Non. Territoire. À partir de ce moment-là, c'était ok, bah vas-y, tranquille, on verra. Je me mets où? Là, là, ici à gauche, là. Mais vas-y. Vas-y, envoie-lui, hein, la pause. Là. Non, mais c'est au petit parc derrière. Là, à gauche. J'allais dire le petit parc au milieu des tours, là, mais vas-y, si tu veux. En fait, la voiture, elle est cramée, on dirait. Dès que les keufs, ils voient, je crois que. Tu gardes la voiture, là. Tu la gardes, là. Vas-y, je la garde, là. Ouais, allô, allô. Et t'as vu le coiffeur de Eve? Ouais. Et ben on est en dessous dans un parc. Attends, répète, ça a coupé. Dans, en dessous, on est en dessous dans un parc. Il y a une balançoire. Je te rappelle bien, vas-y, une balançoire, vas-y. Tu la prends et bah, je vais tourner encore, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, ça me rappelle mon enfance. Ouais. On est juste là. Vas-y. Dans un parc comme ça. Jure, c'est une fois j'ai fait quoi moi? Je m'embrouille avec une meuf, elle était plus grande que moi. Tu vois, j'avais 6 ans. Elle avait 13 ans. Elle me nique. Je pète la haine, je me barre, je prends un gobelet, je pisse dedans, je reviens pas dans la tête. T'avais quel âge? J'avais 6 ans. En fait, je m'en souviens pas moi. Moi, je m'en souviens pas. Ah, ça, on t'a raconté. Ouais. Moi, regarde, elle, la bagarre, on était déjà dans l'attaque à la piste. Moi, je montais le toboggan à l'envers. Et il y avait une petite, comme ça, une petite fille. Et là, il y a son grand frère qui était là, au-dessus. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais à ma petite sœur? Pas. Il m'enchaîne de droite. Pas. Mais t'as vu, moi, si je lâchais les rebords, je tombais. Ouais. Ça veut dire, je me suis fait juste enchaîner de droite. Tu sais, moi, il m'arrive quoi? J'étais au parc, pareil, comme ça. Il y a un mec qui vient plus grand que moi. Il dit, ouais, ta balle, c'est la mienne. Moi, je suis là en mode, non. Il me dit, ouais. Carrément, il ramène son père. Il ramène son père. Et son père, il s'embrouille avec ma mère en mode ouais, non, c'est la balle à mon fils. Ma mère dit non, tout ça. Je me rappelle plus comment ça s'est fini. Mais après, ta sinon, mère a pris ta défense. Mec, abuse du vécu. Ouais, je descends de la balançoire et je me trébuche dans une seringue d'héroïne. On est là. Les gros, t'as déjà fait de la balançoire? Ouais. Il y en avait au Sénégal? Mais je demande, pourquoi tu t'énerves? Je demande. On dirait la honte de venir du Sénégal. Je sais pas, moi en tout cas à Porto Rico, enfin dans mon pays à moi, t'as compris, il n'y a pas de balançoire, j'en ai jamais vu je crois. Je réfléchis là, ma mère je crois j'ai jamais vu de balançoire. Non, ma mère n'en a pas. Il y a des balançoires en Algérie? Il n'y a pas wesh. Par contre, des hommes avec des valeurs et des principes, il y en a. Mais qui passe, bref. Il y a quoi dans la poubelle? Ok, y'a rien. Tu peux regarder dans la poubelle. C'est une sorte de coque là, ça finit comment? Et moi je... Bah ils donnent le sou, sinon on leur baisse leur grand-mère. Sinon je crois qu'on va le... Maintenant je crois qu'on lui fait un truc de ouf. Ici. Tu vois, dès que tu dis Ibiké, je sors mon arme, je le quebra sa mère et voilà. Ouais mais vas-y, le quebra, le ramener, ça y est, cousin. Mais en tout cas, faut son set. Je mets des coups de marteau ou pas? J'ai la haine. Aïe! Putain. Je peux pas me venger, t'es le OG, t'as de la chance. Si t'as ce casse, OG doit 30 balles au jour là. Et on peut plus, va leur dire de se garer là où on était. C'est bon. C'est bon. Ils sont intelligents. Eh bref, c'est quoi l'alerte pour que je mette des coups de marteau? La tête d'homme, je mets des coups de marteau ce soir. Merci. Et c'est cramé là si j'ai mon calibre comme ça? Ouais. Comme ça là, comme ça. Cache-le dans les feuilles. Comme ça. Reste derrière moi.
C'est cramé de fils de pute. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Non, en vrai, c'est pas cramé, là, c'est pas cramé. Non, en vrai, c'est pas cramé, c'est pas cramé. Ouais, les gars. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, y a pas de cops, c'est tout, là. Non, c'est carré, là, hein. Carré, je pense. Okay. Revenons-en à nos moutons, comme on dit. Je crois que c'est cramé. C'est, tu me parlais de la coke, t'as vu. Tu me disais que t'allais pas faire de bénéf dessus. Ok, t'as vu, je t'entends. Mais comme je t'ai dit, moi, personnellement, ta proposition, je la vois très très légère, t'as vu, personnellement. En fait, moi, faut que tu comprennes un truc, c'est que... On s'est fait autant de mal les uns les autres. Vous avez tiré dessus, on vous a tiré dessus. En fait, moi, je vais pas te mentir. Je le comprends, ça. T'as vu, je l'entends. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça le problème. C'est que, si tu m'avais baisé ma mère, et que j'avais pas le moyen autrement de répliquer, moi, mes tours, je les aurais lâchés pour le bien de mon quartier, tu vois. Là, le problème, c'est que le bien de mon quartier, je le vois pas, en fait. En lâchant mes tours, c'est purement. Tu vois ce que je veux dire? Merci, c'est purement. Marquis, jure Marquis. L'humiliation. Alors que, poto, la guerre, on est prêt à la faire, tu vois. C'est ça le truc. Donc j'essaie de trouver une alternative, maintenant. Une alternative de venir et de me dire de racheter de la coke, c'est léger, t'as vu. Et s'il te plaît, je suis pas dupe. C'est. Je vais pas. Là, tu me proposes quelque chose qui t'arrange, tu vois. Parce que moi, j'en veux, j'en ai. T'as vu. Bah ouais, mais moi, la coke, si je veux, je vais la vendre bien plus cher à des pigeons, tu vois. D'accord, moi, je te propose ça, j'ai proposé ça à personne d'autre. Mais moi, la coke, alors, t'as vu, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin parce que je peux m'en procurer. Et du crack, t'en as besoin. Encore moins, c'est moi le roi du crack. Comme je t'ai dit, le peu de fois qu'on a vu tes gars dessus, et encore, voilà quoi. C'était on les a vus en éclair. Mais bref, ouais, c'est normal parce que t'imaginais le nombre de fois qu'on en fait, c'est aberrant. Le crack, j'en ai pas besoin, t'as vu. La coke, encore moins. Et je vais pas. On va pas signer quelque chose où je t'enrichis, tu vois. Je m'enrichis vraiment pas. Bah si. Je vais te donner. Bah je pense vraiment si. Tu me la donnes gratos. En fait, si là je t'expliquais que je me faisais une marge de 2$ à peu près par rapport au fournisseur, parce que j'ai pas non plus te la donner. Si tu imagines bien, tu prends 100 potions, je me fais 200 balles. Je te donne 200 balles. J'achète une casquette. Tu t'achètes une belle paire de Jordan, vu celle-là, comment elle est bien trouée. T'as mis $200, c'est quelque chose. Ouais, après, on peut rediscuter les tarots. Maintenant, si moi, je te dis, les tours, moi, ça va pas être gratuit. Aussi. Quand j'ai besoin de coke, là, je te dis, ok, t'as vu. Bah voilà. T'es un niqué. Ça marchera pas comme ça. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit bâtiment à Nassau, en quoi ça te dérange? En quoi ça me dérange? C'est parce que, en fait, pour une simple vengeance. De filer des murs de chez moi, de l'influence de chez moi, parce que tu sais très bien que c'est pas juste une tour, c'est pas juste des habitations, c'est un grand truc. De des mecs du Bronx qui viennent dans Northwood ou l'inverse, c'est un grand truc, c'est un grand événement. Maintenant, je te le dis, ça va pas être possible. Après, si tu es capable de me léguer un petit territoire dans le Bronx, et moi je te lègue un petit territoire dans Northwood, pourquoi pas y réfléchir? Mais t'as vu, la guerre, c'est toi qui la veux pas. Nous, c'est toi qui est en mode. Moi, je la. Tu la veux pas. C'est pas que je la veux pas. Arrête, tu la veux pas. Tu la veux pas. Vide ma mère que je suis trop près. Mais le problème, c'est moi, je pense juste à mes gars. En fait, pourquoi tu viens? Moi, si ça tenait qu'à moi, je suis un cramé. Là, j'ai envie de tirer tout de suite. T'as pas envie. Tu n'as pas envie. J'ai grave envie. Arrête. Ouais. Après, peut-être. C'est Seven derrière toi. Non, mais attends. C'est Seven qui te bloque. T'as vu, c'est. Non mais peut-être que tu veux pas, regarde, peut-être que tu veux pas parce que c'est ma morale qui me bloque. Non mais regarde, je dis pas que tu veux pas parce que t'as peur de nous. Peut-être que t'as d'autres trucs à faire ou j'en sais rien. En tout cas, tu veux pas. C'est devant moi, j'ai un mec qui veut pas de guerre là, c'est ça. Ah, non. Moi de toute façon, je vous ai dit la vérité, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, les vrais mecs que je veux fumer dans le Bronx, c'est les Niners. Je l'ai toujours dit, mon pote, il porte mes couleurs. Ça me pose problème. Mais voilà, et justement, j'ai du pain sur la planche. On va t'occuper des Niners. Non, ça marchera pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. Tu t'imagines bien. Mais tu t'imagines bien que là, après le manque de respect qu'il vient d'avoir au niveau des mules, c'est encore plus du manque de respect de tu vois. Mais bref, après, si tes mes propositions ne t'intéressent pas,
À toi de me dire. À toi de me dire si tu veux que directement ça parte. Ce que tu me fais là, c'est pas une proposition. Je l'oublie même. La coque, n'en parle plus. C'est pas une proposition que tu me fais. Là, tu me proposes. Eh ben, moi, pareil. Les tours, j'oublie. Que je peux avoir. Moi, au niveau des territoires, c'est pareil. Ta proposition ne m'intéresse pas et directement, je te le dis, c'est moi. Sauf si après, un moment où on est sur. Si on échange des territoires dans la Bronx face à des territoires de Northwood, pourquoi pas? Maintenant, je te le dis. Moi, je pense juste à mes gars. Je pense juste au fait que même si la guerre est dans un monde où on est hyper victorieux, on vous éteint, il y aura quand même des morts de chez nous et moi, ça me pose problème. Mais voir des mecs mourir pour 4 000 $, c'est. On est bien d'accord. Arrête les 4 000 $. Les 4 000 $, ça a été réglé au moment. C'est l'origine du, c'est l'origine du conflit. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu des mecs à toi qu'on finit chez moi. Il y a eu des mecs de chez toi qu'on finit chez moi. Il y a eu des tirs, il y a eu des shootings à l'arme automatique, tout ça. Donc les 4 000 $, c'est lointain. T'as vu, c'est un lointain souvenir. Là, on parle des événements qui sont passés sur ces dernières semaines où il y a eu des shootings à l'arme automatique de notre part, de ta part, bref. Il y a eu des conflits, t'as vu. Et là, comme je te l'ai dit dès le début, on arrive à un point où on est aux portes de la guerre. Maintenant, moi, pour calmer tout ça, t'as vu, je t'ai fait une proposition. Et t'intéresse pas, c'est ton problème. Tu vois, tu m'as fait une proposition qui n'en est même pas une. Parce qu'on est honnête, t'as vu, c'est pas une proposition que tu m'as fait là. C'est de la merde, tu vois. C'est un truc que tu fais passer pour en attendant. Et en fait, ta proposition, elle est trop gourmande. Tu ne veux pas faire la guerre. Ta proposition, elle est trop gourmande. Moi, la guerre, je ne veux pas la faire aussi. Tu t'as juste c'est suivi. Pas que je veux pas la faire, c'est que j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire, moi, que de venir et de Eh ben c'est le même projet. C'est le même projet de mon côté. Moi, j'ai bien plus à gagner ailleurs. Ta cousine, tout ça. Mais t'as vu, s'il faut la faire aujourd'hui, à partir de tout de suite, là, si on trouve pas quelque chose, on va la faire, cousin. Parce que là, t'as rien à me proposer. Donc, c'est soit on est bien d'accord. De toute façon, tu sais très bien que nous, c'est pareil de notre côté. Si on a répliqué, c'est qu'on est prêt. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ta proposition, elle est trop gourmande. Elle est trop gourmande. T'es pas obligé de donner un bâtiment en plein à côté du tien. Juste un vers Northwood. Non, mais ça ne marchera pas comme ça. Vous avez chopé. Mais là, regarde. Vous croyez que pour des otages et des tabassages, je vais lâcher des quartiers d'influence. Vous êtes ouf. Encore une fois, tu ne comprends pas. T'as vu ? Tu te bases sur des petits événements. Alors que là, on parle de choses qui sont passées toutes ces semaines. Tout ce qui s'est voyé, les jours qui sont passés. T'as vu ? À chaque fois, tu prends des petits événements. Tu prends les 4 000 $. Tu prends hier des otages à toi, mais toi. C'est comme si je te faisais une liste de tout ce que tu nous as fait. Mais je suis là, il y a eu plein d'événements. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de rien. Est-ce que tu penses que la guerre là, qui s'est passée entre nous, entre guillemets, guerre qui s'est passée entre nous là, ces dernières semaines, est-ce que tu penses que ça mérite ce qui s'est passé, ce que tu me demandes? Enfin, oui, si tu me le proposes. Mais t'es rentré, tu sais que t'as tiré plus de fois que les Niners chez nous. Plus que même les 18. Eh ouais, mon gars. T'es le mec qui a tiré le plus dans les blocs. Mais pourquoi tu te contredis? Tu dis, eh ouais, mais non. Mais voilà, t'as la mémoire courte. Mais pourquoi t'es avec le Huntley là? Tu t'es arrêté à côté de moi, tu m'as dit ouais c'est ça. Oui, mais nous on n'est jamais rentré à Northwood te tirer dessus. On a même pas encore fait ça. On a toujours été en mode. J'ai eu les couilles de le faire maintenant, ça aurait pu causer ma mort. Voilà, mais en gros, sois pas étonné que là on est en train de te dire qu'on demande quelque chose de gros. Parce que ouais, c'est quelque chose. Non, mais c'est vrai que le bâtiment, c'est quelque chose. Bah oui, c'est une décision importante. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour rien. Là, t'es en train de faire passer comme si c'était pour rien. Non. Non, je dis pas que c'est pour trois fois dans Edgeblock par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez pété plusieurs fois des mecs de chez nous, vous nous avez touché plusieurs fois, et il y a eu trop de trucs. C'est pareil pour vous. Déjà, rappelle-toi, tu tirais tous les soirs chez moi, c'est exactement pareil. On a jamais tiré chez toi, jamais. Dis-moi quand. Devant le Clucking Bell, tu m'as tiré dessus. Oui, mais ça c'est entre toi et les Crips, moi je parle de chez toi. Chez toi. Ah ouais, après si tu veux parler territoire, moi en fait pour moi ça changera à partir du moment où tu veux me tirer dessus, que ce soit chez moi ou ailleurs, c'est équivalent. Ah non, c'est pas pareil, t'as tiré en plein chez nous, en plein, c'est-à-dire ma mère, par la fenêtre, elle a tiré le rideau, pour pas que mes nièces voient. Tout le monde, nous on n'est pas rentré à l'intérieur. Et toi, ta famille nous a pas vu tirer encore. C'est les risques de la guerre, moi je suis bien conscient qu'on a beaucoup plus attaqué que vous, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Maintenant, c'est pour ça que moi, je suis venu avec des propositions. Maintenant, vous nous avez attaqué, on s'est attaqué. Je veux dire, même si on a pu s'attaquer que vous, il n'y aura pas de tours qui seront lâchés pour des broutilles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a bien mieux à trouver, il y a d'autres alternatives. Moi, maintenant, propose, parce que nous... J'ai comme projet de faire le Q-Niners, maintenant... Non, on s'en bat les couilles, nous. De toute façon, nous, on est en mode, t'as vu, Ibiké. Ça veut dire que, déjà, on va jamais acheter de la... La drogue, c'est un 7,5, t'as vu, jamais de la vie, ça.
Ça, t'as vu, je préfère ne jamais toucher de coke. On va jamais toucher de coke, limite. Si on doit passer par toi pour avoir de la coke, on n'en aura pas. On va pas t'enrichir, ouais. On va pas te donner de l'argent. Non, mais tu t'enrichis bien plus en le faisant, maintenant, c'est tout ce que mais, je veux dire. Oui, mais je t'enrichis mais aussi. Donc moi, je préfère être là comme je suis actuellement que vouloir... tu vois ce que je veux dire. C'est sais très bien, de toute façon. Là, tu nous proposes ça, mais c'est très bien que... Voilà. Bref. Depuis tout le tournoi, on fait le tournoi, on est tous d'accord ici pour dire qu'on tourne. Maintenant, moi je vais être droit au but avec toi, 7, t'as vu. T'as dit qu'on était gourmand, c'est comme ça, c'est H-Block, on est gourmand, on a toujours été gourmand, t'as vu. À partir du moment où on est en embrouille avec un 7,5, t'as vu, on est gourmand, cousin. Quand on juge ce qu'il faut l'être, on l'est. Maintenant, à l'heure actuelle, on est bloqué, t'as vu, tes propositions, mes propositions, ça va à aucun des deux parties. Moi, je veux mon bâtiment, t'as vu. Je veux ma place dans Northwood, parce que j'ai envie de manger aussi, t'as vu. C'est une belle île, une belle population. Je pense qu'il y a des sous à se faire. Je pense qu'il y a des dollars à se faire là-bas, t'as alors, vu. Ouais. Mais regarde, t'as vu là où on a garé nos voitures. Ouais. Et ben tiens, toi, après là-bas, de l'autre côté, il y a la voiture des Bleus qui est garée là-bas. Au moment où on va finir le rendez-vous, ils vont partir, ils vont monter dans leur voiture, tu vois, tu les shootes. On les shoot. Ouais, tu les couches. Hein. Vas-y, c'est carré. T'as capté. Mets-toi de l'autre côté. C'est-à-dire, dès qu'ils montent dans leur voiture, eux, ils vont croire que c'est bon. Vas-y. Tu vois, tu les encules dans leur voiture. Vas-y. Maintenant, je te le dis. Réfléchis bien tout ce que tu m'as dit. Moi, je vais encore réfléchir de mon côté. Maintenant, moi, j'ai pas d'autre. J'aime trop réfléchir, j'aime trop réfléchir pour faire attendre. C'est là, c'est maintenant, c'est fini. Non, moi, je te dis juste que là, moi, de mon côté, j'ai pas d'autre offre que celle-ci. Si t'en as pas d'autres, on n'a plus rien à se dire. Et voilà, je te dis quoi. C'est comme ça que ça va se passer. T'es sûr, c'est... On pas sur la même île. Et moi, j'ai tout... Mais tu crois... Quand je parle, je suis sûr. Parce que là, t'as vu, si on part en guerre, là, ça va pas être un bâtiment qu'on va récupérer si on la gagne, la guerre. Eh ben, écoute, tu peux tenter, tu peux toujours essayer. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que si on n'a pas d'offre qui arrive à convaincre les deux parties, c'est comme ça que ça va se passer. Je te dis quoi. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, depuis la minute 1, là, je vous ai dit qu'on était prêts. Maintenant, si vraiment, pour toutes les histoires qui alors sont on est à la 90e. Vous voulez en aller jusqu'à là? Eh ben, on va aller jusqu'à là. Je te dis quoi. Vas-y, Karaj. Ça va jouer les prolongations. Qu'à rajouter, Seven. Bah, moi, tout à l'heure, j'écoute, mais malheureusement, on n'a pas pu trouver de moyens. Donc, malheureusement, on a pas d'entente, apparemment. C'est ça. Seth, il vient, il me pisse au cul. T'as vu? Après, les propositions qu'on t'a données, je vais pas te mentir. Mais nous, on s'enrichit pas. Les propositions, il y a aucune proposition. Il y en a eu deux, ma gueule. Il y en a eu deux. T'as acheté de la coke. Par rapport à la coke et par rapport au truc. Mais frère, on se dit, on s'enrichit pas. Et par rapport à quoi? Ça veut dire qu'on perd pas, on gagne rien. Attends, par rapport à la coke et par rapport à quoi? Au crack, là, je sais pas quoi. Ouais, le truc du crack, laisse tomber. Par rapport à la coke, ma gueule, on s'enrichit pas. Tu me proposes de t'acheter du crack alors que j'en fais moi? Non, c'est pas du crack, c'est pas du crack. C'est toucher des pains beaucoup moins cher. Mais bref, c'est moi, ça t'intéresse pas, tant pis. Ouais, t'as dit ça t'intéresse pas, bah après, on a rien d'autre à se dire, ma gueule, tu vois. Écoute, carré, 7, c'est. Mais c'est dommage, t'as vu, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait. La première fois qu'on s'est vu à Northwood, on a discuté, t'as vu, moi j'étais venu avec une bonne énergie, un bon mood. Complètement. Venir, je suis là, je te dis, vas-y, on peut faire du business ensemble. À ce moment-là, j'avais un truc à te proposer, t'as vu. Non, je t'ai proposé à d'autres personnes, mais j'étais venu avec un bon délire, avec une bonne énergie. Ce délire, c'est toi qui l'as coupé, Arv, à partir du moment où tu t'es vexé pour 4 000 $. Parce que moi, je te le dis, ce truc-là, là-bas, non, c'était pas ciblé contre vous. Mais là, ça, regarde. 7, je serais venu. En plus, je suis venu ce jour-là, tranquille, je suis venu chez toi, carré. T'as vu. Donc, tu peux pas me dire que je suis venu avec des arrière-pensées. Je suis venu chez toi discuter. J'ai dit, ouais, c'est comment? Bref, tu voulais me parler de l'histoire de la meuf, là, avec mon gars, bref. On s'est assis, on a discuté tranquillement. J'ai dit, 7, c'est comment par rapport à l'histoire dont je t'ai parlé, les 4 000 $, l'attaque a été faite dans le Bronx. Tu m'as dit, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, je t'appelle une fois. Tu me dis, c'est pas moi. Je t'appelle deux fois, tu me dis, c'est pas moi. Je t'appelle trois fois, tu me dis, c'est pas moi. Il a fallu qu'on bouge une semaine. Le bail de cette histoire. Alors que j'avais la réponse. Ouais, mais. T'as vu, ok. Mais t'aurais pu me le dire, c'est tout. T'aurais pu me dire, moi, j'ai reçu. Dans tous les cas, même si tu l'avais dit le premier jour, ce serait parti dans le même bail. C'est très bien. Dans tous les cas, c'est même pas le manque d'honnêteté qui a failli. Tu m'aurais dit ça, ça s'est passé comme ça, je t'aurais dit, ok, carré.
Bah, ouais, mais t'as vu, billet, cousin, c'est trop facile de refaire l'histoire. C'est trop facile de refaire l'histoire. Ouais, bah, viens là, on est dans le présent. Et moi, je m'en bats les couilles du passé. Maintenant, on n'a pas trouvé de solution. Nique sa mère. Si dans l'avenir, t'en trouves d'autres, tu me contactes, ça bouge pas. C'est à toi d'en trouver. Si toi aussi t'en trouves d'autres, cousin, contacte-moi. Maintenant, moi, comme je t'ai dit, mon bâtiment, Dans Soud, ça va pas être possible. Tu vois. Parce que toi, tu forcément, t'as de l'assurance en venant dans Northwood, parce que tu sais très bien que mes voisins, ils se grattent la tête, je sais pas, ils font quoi. Bref. Mais non, sache les que... Les Crips, ils vous baissent. Les Crips, ils baissent personne. Ils baissent personne. Il y a encore que... Bref, voilà. On va pas... je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin de trouver quoi que ce soit. Et bref, dans tous les cas, on en reste là pour le moment. Et vas-y, hein, force à nous, force à vous. C'est en courant. C'est bon pour vous. Ouais, ouais. Donc la dernière fois qu'on se voit, on va se niquer. Bah écoute, je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Moi je vous le dis, hein, j'y gagne rien à vous baiser et je pense que vous non plus. Donc c'est bien pour ça que je trouve que ça arrive à rien. On va gagner, qu'on va se propager, nous. Parce que pendant que toi tu venais, tu tirais, tu faisais tes shoots contre nous. Nous on faisait rien, nous on était en train de faire notre bise, on gérait nos guerres à côté. Parce que nous, t'as vu, on fait jamais la guerre pour rien. T'as vu, si on fait la guerre à la fin, y a du matériel, t'as vu. À la fin, y a un gain matériel. On va pas se battre pour rien, on va pas venir. T'inquiète pas qu'on y gagne quelque chose à venir vous tirer dessus. Hein. Je vais tirer pour faire le beau gosse. Tu gagnes quoi? Tu gagnes des boîtes de munitions que tu perds. T'inquiète, poteau. On a des trucs à droite à gauche. Tu mens, très bien. Tu gagnes rien. Et je ne mens pas. Mais bref, dans tous les cas, je te le dis. Attends, petite question, c'est le numéro combien ton bâtiment sur Marceau? Le mien? Ouais. Moi je suis bâtiment C là, collé au pont à droite de l'autoroute. C'est que si tu pars là, tu vas devoir commencer à préparer tes valises. Hein. Tu veux le code? Cimer Vortex, mon rêve. Non, je l'aurai de vrai, force. Pas forcément. Ok. Vas-y, ça marche. Bah, écoutez, force à vous et on capte. Bonne soirée. Vas-y, les gars. Je t'ai dit, Orf, si tu connais. Guerre si pas guerre, je m'appelle, ça discute. Si tu changes d'avis, tu m'appelles. Change pas d'avis, t'inquiète pas. Vas-y les frères, à plus tard. Vas-y. Les frères, vraiment. Vas-y, c'est change de doudou, non? Même pas. Observe bien, tu connais. Orange. Qu'est-ce qu'il va faire si on lui vole ça à Canada? On va te voler ta Canada. On va te voler ta Canada. Non, viens, on se barre, viens dans nos voitures. Observe. T'as dit quoi? Explique-moi. Regarde. Viens voir. Et ça commence, les gars, ça commence. Moi j'aime trop la night, j'aime pas trop. Et quand il fait jour, et c'est normal ici. Y'a des vrais G, y'a des vaillants, ça parle en tonne. Y'a pas de bouquin, ouais, c'est j'bloque, c'est pas Trenton.